nos télés. Voilà, je vous propose de commencer. Sont excusés Laurent, Geoffroy, Ludivine. Je sais que Benjamin va arriver, mais en retard, parce qu'il y aurait un suicide sur une voie au niveau du rail. Hein. Fait bien de le dire, sinon les journalistes derrière sont déjà en train de dire « Merde !» Ils allaient tous partir, et Laurence également, bien évidemment. Alors, dépôt... Pardon ? Ah, je croyais que tu avais dit quelque chose. Dépôt du procès-verbal de la séance publique du 30 janvier 2023 qui, sans observation, sera considéré comme adopté en fin de séance publique. Chers collègues, nous devons commencer... Ah, pardon, Madame Martin. Attendez, mais vous avez appuyé, mais... Attendez un instant. Tu dois appuyer sur le... Voilà, et... Non, Voilà, vous êtes bon, là ? Non. Vous pouvez appuyer ? Sur son... Ça va ? Bon, bonjour à tout le monde, chers collègues, et pour tous les tournésiens. Alors, les vieilles machines nécessitant de temps en temps des rentrées au garage plus ou moins longues pour maintenir leur bon fonctionnement, je présente toutes mes excuses à tous pour mon absence aux deux derniers conseils communaux et je remercie ceux qui m'ont envoyé mes revues. Voilà, je voulais dire ça avant. Merci beaucoup. J'espère que vous avez été un bon garage. Juste. Alors, chers collègues, nous devons commencer cette séance en évoquant la mémoire de Marcel Castelin, qui nous a quittés le 4 février dernier. Marcel aura longtemps occupé cet hémicycle qu'il quitta finalement en 2012. Élu conseiller communal en 1982, ce tourpier d'origine a siégé comme échevin de la ville de Tournai de 1983 à 1989 et de 1992 à 2000. Il a quitté son poste de conseiller communal en 2012. Il y assumait le rôle de chef de groupe du Parti socialiste. Dans ses compétences cabinales, Marcel Castelin a notamment géré l'urbanisme, l'aménagement du territoire, l'environnement, la régie foncière et le logement. En 1994, il devenait aussi président de l'ASBL Tournai Logement. Plus récemment, il avait intégré le collectif autour du château de Templeuve, mouvement qui lutte pour la réhabilitation et la préservation du château. Il avait aussi travaillé comme chef d'atelier à l'école technique de Templeuve. Marcel Castelin laissera le souvenir d'un militant attaché à ses valeurs de gauche, centré également sur la défense de la ruralité. C'était un homme de dialogue, toujours affable et agréable à rencontrer. Il portait le titre d'échevin honoraire de la ville de Tournai. À sa famille et à ses proches, notre conseil communal présente ses plus sincères condoléances. Je propose que nous fassions une minute de silence en sa mémoire. Je vous remercie. Benoît. Oui, mais simplement dire que Marcel était quelqu'un, effectivement, à la fois d'agréable et d'ouvert. Moi, j'ai le souvenir, en tout cas, de nombreuses réunions, que ce soit la commission d'aménagement du territoire et aussi la commission cycliste, où la collaboration, l'échange était toujours positif avec lui. Pour l'anecdote, il y a eu même un déplacement à Gand où c'était la rencontre avec d'autres villes qui étaient volontaires par rapport à une politique cyclable. Et ce fut relativement, en tout cas, ce fut très riche comme démarche. Et Marcel était totalement impliqué. Donc, un excellent souvenir de Marcel. Merci beaucoup, Benoît. Ensuite, nous aurons un point complémentaire qui est recevable, à savoir celui de Guillaume, relatif à la mise en place d'une commission consultative communale relative à la lutte contre les causes de la mendicité et sa gestion sur le territoire de la ville de Tournai.
En communication, le Conseil communal prend connaissance des documents suivants mis en annexe. L'arrêté de réformation du 26 janvier 2023 relatif au budget 2023 de la ville. Nous aurons ensuite des questions de Léa relatives à sa situation de l'école d'Arthur Hollot. C'est une question qui a été reportée. De Dominique Martin relative à l'accueil des personnes sans-abri à Tournai. De Jean-Michel relative au terrain de foot de Warchin. De Robert relatif à la politique commerciale à Tournai. Et d'Emmanuel relatif à l'organisation des festivités de fin d'année. Nous en arrivons à la police de roulage avec des dossiers de 2 à 6 concernant des créations d'emplacements PMR. Est-ce qu'on peut regrouper les points? Pas de problème. Unanimité? Je vous remercie. Points 7 et 8. Madame Marguem. J'aurais souhaité intervenir globalement donc pour tous les points qui commencent à partir du point 9. Et donc, vous étiez au 7 et 8. Parce que j'ai encore le 7 et 8 à faire passer. 7 et 8. Donc, 7 et 8, suppression, pas de problème? OK, je vous en prie. Voilà, concernant le point 9 et suivant, au sujet des dossiers relatifs à la police de roulage, donc jusqu'au point 23. En général, nous avons remarqué depuis plusieurs mois que les demandes qui viennent au Conseil communal et qui sont de plus en plus nombreuses concernent des demandes qui viennent des riverains. Alors, loin de nous de critiquer que les riverains posent des demandes, mais évidemment, ces demandes sont souvent entendues et on se pose la question de savoir si tout cela ressort à un plan global. Alors, les services de police donnent leur avis, ça c'est le point de vue de la sécurité, mais il y a aussi le point de vue de la mobilité et le report des charges sur la voirie concernée ou sur d'autres voiries, des changements qui sont opérés à la demande des riverains de la manière dont nous le voyons depuis plusieurs mois. Alors, la question, c'est, est-ce que nous pourrions un jour aborder éventuellement en section l'ensemble du plan que vous avez sous les yeux et qui se dessine au fil des demandes qui sont ainsi engrangées par les riverains de tous les quartiers de la ville et des villages. Ok. Et donc, effectivement, c'est parfois, souvent, toute une série de demandes de riverains, mais entre nous, elles ne sont pas nécessairement toujours suivies, bien évidemment. La police émet un rapport, va sur place. Souvent, elle se base sur toute une série d'éléments, mais tout ça, ça peut être discuté effectivement dans la commission ad hoc. Et il y a même parfois toute une série de demandes qui arrivent et qu'on trouve peut-être un peu limite et qui n'arrivent même pas jusqu'au conseil communal. Après le rapport de la police, vous avez aussi systématiquement un expert du SPW qui vient et qui donne également son avis. Et donc, tout n'est pas nécessairement suivi. Je veux dire, il ne suffit pas à un moment donné de se mettre à 3-4 riverains pour demander une limitation de vitesse à tel ou à tel endroit pour que systématiquement ce soit suivi des faits. Tout ça se base surtout sur toute une série de rapports. Mais j'ai aucun problème pour un moment ou un autre faire une commission avec l'ensemble de la police ou alors en discuter aussi en conseil de zone. Enfin, conseil de zone, on a d'autres communes qui sont dedans et je préfère peut-être pas me mêler les uns et les autres. Alors, deux de mes collègues vont intervenir plus spécifiquement sur l'un ou l'autre point de l'ensemble que j'ai signalé. OK. Donc, nous sommes au point 9 avec une limitation de vitesse, une limitation de 50 à l'heure à Froyenne. Pas de problème, unanimité. Je vous remercie. Au point 10, nous sommes pour un problème de stationnement à l'avenue Donnard à Quin. Pas de problème, unanimité. Je vous remercie. À l'avenue des Alliés, un règlement complémentaire communal pour du stationnement. Pas de problème, je vous remercie. Unanimité. De 12 à 15, ce sont des interdictions de stationner. Premier, c'est pour le point Édouard Valk. Pas de problème, unanimité. Le point 13, c'est à la rue de Néchin à Templeuve. Je t'en prie, Emmanuel. Eh bien, donc, pour ce point, comme Marie-Christine a dit, ça émane, donc la demande émane d'une riveraine qui habite côté père et qui demande l'interdiction de stationner côté impair. Je me suis rendu sur les lieux mercredi dernier et j'ai contacté et j'ai sonné aux portes de certains riverains habitants côté impair. Et ceux-ci n'étaient pas au courant de cette demande. Et je trouve un peu bizarre qu'une riveraine demande une interdiction de stationnement de l'autre côté de la voirie où elle habite pour sa facilité de stationnement et de
pour décharger des choses et tout ça devant chez elle, sans penser aux riverains qui habitent de l'autre côté. Et donc, je pense que ce point-ci, par exemple, est vraiment significatif de ce que Marie-Christine vient dire, c'est qu'une riveraine demande quelque chose à la ville, les services de police prennent cela en compte, sans prendre les avis des riverains de l'ensemble de cette voirie. Et donc, je trouve ça un peu bizarre, parce que je pense qu'à terme, ça va créer des soucis de l'autre côté de la rue. Encore une fois, je veux bien postposer le point à un mois pour demander une explication complémentaire à la police, mais encore une fois, je répète ce que je viens de dire tantôt, c'est jamais parce qu'il y a une riveraine qu'il demande que la police dit oui systématiquement. Donc, et maintenant que la police n'aille peut-être pas dans toutes les maisons, ça aussi je peux un peu comprendre, parce que systématiquement, à ce moment-là, vous risquez d'avoir d'autres problèmes, c'est que tout un chacun regarde par rapport à sa propre problématique. Et si vous enlevez un parking devant votre maison, celui qui en a besoin, il vous dira que ce n'est pas une bonne décision. Et jamais cette décision ne sera prise dans le bien public. Normalement, la police doit le faire. Mais je n'ai aucun problème, mais je vois que Jean-François demande la parole, pour le remettre à un mois pour un élément complémentaire. Mais je donne d'abord la parole à Jean-François pour voir ce qu'on fait après. Oui, merci Paul-Louis. Pour être tout à fait clair et lever la moindre ambiguïté, je ne dis pas du tout que c'était ton propos, mais il s'agit nullement vraiment de faire plaisir. La plupart de ces points, on n'en a même pas connaissance. Ça se fait automatiquement, et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on intervient très peu, parce que la neutralité finalement de la décision, elle prend du crédit à travers quoi ? À travers la venue sur place d'un agent de police et à travers aussi le filtre de l'agent du SPW, de la tutelle qui remet à vie. Donc la plupart de ces points, à peu de choses, et ils sont nombreux, ils sont très nombreux, il y en a beaucoup qui sont arrêtés aussi, mais la plupart de ces points, on les découvre, allez, une semaine ou deux avant le collège, quoi. Mais justement, donc je comprends bien, et ça m'inquiète d'autant plus parce qu'il y a l'aspect sécurité et l'aspect administratif, mais il y a aussi, c'est pas une question politique au sens politicien du terme, c'est une question politique au sens large et noble du terme qui concerne la manière dont une commune envisage la mobilité et le stationnement sur l'ensemble de son territoire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment donné, il y a eu un plan de mobilité ou qu'il y a des plans de mobilité dans une commune. En l'espèce, le plan de mobilité que nous connaissons et sur lequel nous avons déjà tiré plusieurs fois à boulet rouge est un plan qui doit être revu. Mais toutes ces petites adaptations qui ne sont pas nécessairement liées à la mobilité ont des conséquences sur la mobilité, puisqu'on change le stationnement, puisqu'on change éventuellement le sens de circulation et des choses comme celle-là. Et que, bien sûr, les riverains qui connaissent bien l'endroit où ils se trouvent ont des choses à dire, c'est évident, parce qu'ils sont les premiers à en subir les conséquences, mais ils font, vous l'avez rappelé, partie d'un tout où il faut prendre une décision dans l'intérêt général. Et donc, dans ce cas-ci, on est vraiment on est à Templeuve, donc c'est un peu différent du plan de mobilité qu'on pourrait voir sur la ville de Tournai. Je vous dis, moi, je n'ai aucun problème à postposer le point d'un mois pour demander une analyse complémentaire au niveau de la police. Mais quand je vois le dossier, donc c'est effectivement un riverain qui dénonce, mais il dénonce en fait le stationnement anarchique, à savoir sur le trottoir ainsi que sur l'accotement. Donc je suppose qu'à ce moment-là, la police, ayant été sur place avec les services mobilité de la ville de Tournai et avec un représentant du SPW, j'ose espérer en tout cas que la proposition qui est faite ici est une proposition entre guillemets, de bien public, et ne pas nécessairement pour faire plaisir à Pierre, Paul, Jacques ou André. Mais je n'ai aucun problème pour postposer le point et revenir la semaine d'après. Moi, ça ne me dérange pas de voter le point. C'est juste de voir à terme comment ça se passera. Si on peut voter le point, le mettre en application et voir dans quelques mois comment les riverains de l'autre côté de la rue se comporteront. On peut faire ainsi. Si tu le proposes, oui. Aucun problème. Ça va? Oui. Ok, merci beaucoup. Donc on en était au point 13, unanimité, pas de problème. Oui.
Okay. Point 14, c'est à la rue Thomas Becket, interdiction de stationner. Pas de problème. Là, c'est par rapport au TEC. Au point 15, c'est à la rue des Sept Fontaines, entre le 11 et le 9, c'est une interdiction de stationner. Afin, il y avait un problème pour un garage d'un riverain. Pas de problème. Armand. Non, c'est... J'ai pris l'avance. Après. Ok. Toc, toc, toc. Point 16, règlement complémentaire à Rumilly, rue Jean-Baptiste Carmo. Armand. Oui, donc je suppose que le 16 et le 17, vous allez les grouper. Donc, parce que c'est vraiment la prolongation de la même rue. Donc, avant de pouvoir exprimer notre vote sur les points présentés, nous aurions voulu obtenir réponse à nos interrogations suivantes. Et il y en a plusieurs. Vous nous dites, suite à de nombreuses doléances, ça a été dit il y a longtemps, nous souhaiterions connaître le nombre de réclamants et devoir joindre leurs demandes en annexe. Vous nous dites que le passage de véhicules lourds est important, mais pourriez-vous nous dire sur quel constat vous vous basez? Y a-t-il eu une analyse de trafic? Si oui, pourriez-vous joindre cette analyse? Vous parlez de vitesse excessive, cela nous surprend. En effet, avec un casse-vitesse situé face à l'école et un passage à niveau qui ralentit très souvent le trafic, on ne comprend pas la vitesse excessive. Pourriez-vous également nous commenter cette analyse? Y a-t-il eu des contrôles de police? Si oui, mais quelle en est l'analyse globale? Vous nous proposez donc d'interdire la circulation de poids lourds entre la Vertefeuille et le vieux chemin d'Atte, mais nous souhaiterions connaître l'étude faite pour éviter de déplacer ce charroi en amont, mais via les villages de Havine et de Gourin, en aval, via la chaussée de René et les boulevards, tout en sachant que, vu la situation de cette chaussée, qui est quand même accidentogène, compte tenu de nombreuses traversées piétonnes, de nombreux commerces et la maison de repos. Nous comprenons, si les demandes sont avérées, les désagréments subis par les riverains de ces deux rues, mais au vu de la largeur de celle-ci, on comprend aussi les utilisateurs des engins qui préfèrent causer moins de dangers sur les voies plus fréquentées. Vous interdisez l'accès de chaque côté, donc c'est tel que l'arrêté est prévu, mais qu'en est-il d'éventuels transports qui viendraient de la cité Logis Paul Carrette ou de la rue des propriétaires pour rejoindre la chaussée? Parce que là, on interdit la circulation, mais uniquement dans un seul sens. Au départ du vieux chemin d'Atte jusque du côté droit et depuis la Vertefeuille du côté droit également. Donc entre les deux, parce que ce n'est pas une rue qui fait la fin de la rue Boucher ou la fin de la rue Jean-Baptiste Carnois. Ne pourrait-on donc prévoir aussi une dérogation pour les usages agricoles? Comme M. le Bourgmestre, vous l'avez aimablement proposé, à défaut d'obtenir réponse ce soir, nous vous proposons de retirer ces deux points et de nous les représenter de la complétude du dossier effectué. Demandez aussi gentiment, comment veux-tu? Par contre, ce qui serait bien, c'est que tu nous fasses parvenir l'ensemble de toutes tes questions qu'on transmettra à la police pour avoir réponse pour le prochain conseil communal. Donc le point 17, c'est bien celui-là? 16 et 17. 16, pardon, 16 et 17 sont retirés. Point 18, Tournai, rue de la Loi, zone d'établissement d'évitement strié triangulaire, pas de problème, unanimité. 19 à 21, ce sont établissements de passage pour piétons. Le premier est à la rue Saint-Éleuthère, le second est à l'avenue des Peupliers et le troisième à l'avenue Beauséjour. Pas de problème, unanimité? Je vous remercie. Point 22-23, ce sont des règlements complémentaires communaux, modification de circulation à Quin rue des Mésanges et à Quin rue des Bouvreuils. Pas de problème, unanimité, je vous remercie. Crèche, point 24, octroi d'un avantage exceptionnel pour le personnel de la petite enfance occupée en 2022, approbation. Pas de problème, unanimité, je vous remercie. CPS, modification de statut administratif, absence pour maladie, loi du 30 octobre 2022, approbation, unanimité, je vous remercie. Au point 26, c'est l'application du décret du 18 mai 2022 relatif à l'extension de la publicité active dans les pouvoirs locaux. Pas de problème, je vous remercie, unanimité.
Point 27, Créacom Ruralité, appel à projet, octroi de primes pour la création de commerces de proximité dans certains villages, règlement et approbation. Il a été c'est fixé sur ce qui se faisait à l'ASBL Centre-Ville. D'abord Emmanuel et ensuite Jean-Michel. Donc, concernant ce dossier, donc oui, c'est le même procédé que ce qui se passe en centre-ville, sauf que moi, il y a deux interrogations. Il y a toute une série de listes de villages donc, qui sont prioritaires pour l'année 2023. Barry, Ertin, Mont-Saint-Aubert, Coartram, Nichin, Saint-Maur et Timougy. J'aurais voulu savoir comment et par qui vous comptez faire la publicité de ce nouveau dispositif dans les villages. Et quid des commerçants existants qui pourraient être repris dans certains villages et qui pourraient bénéficier de ce mécanisme? Est-ce qu'on ne pourrait pas élargir cela à d'autres villages également? Je vais regrouper l'ensemble des questions d'abord et Caroline répondra ensuite. Jean-Michel. Oui, Manu vient de le dire, donc Créacom, qui est le même concept que ce qui a été développé en centre-ville. Et la gestion centre-ville a été d'ailleurs la structure qui a été précurseur pour ce concept-là. Et ma réflexion va en ce sens et elle porte sur quelques points. Ça n'est ni plus ni moins qu'un copier-coller de ce concept centre-ville pour les villages. Et évidemment, c'est une bonne chose de trouver des projets pour tenter de faire revenir quelques commerces au sein de nos villages. Mais ce qui m'embête, c'est un peu la structure porteuse, à savoir la gestion centre-ville qui, dans ses missions, gère l'intramuros. Et ici, on confie ça, ce projet, à la même structure et ça n'est plus tellement dans les missions de l'ASBL centre-ville qui porte évidemment bien son nom. Ce sont les mêmes incitants, c'est le même nom, à savoir au niveau des incitants, une aide au loyer. Je l'ai dit, le concept vient de la gestion centre-ville, donc c'était la première structure en Wallonie à mettre en place ce concept. Mon deuxième point, c'est cette mise en place pour le centre-ville. Quel est l'intérêt après, si un candidat vient déposer un projet pour le centre-ville, on va lui proposer l'aide Créacom et là on va lui dire, bah, écoutez, non, j'ai les mêmes incitants pour quitter le centre-ville et aller dans les villages. Donc là, il y a un petit paradoxe, me semble-t-il. Ensuite, c'est au niveau du jury, qui, là aussi, ce sont les mêmes représentants. Aux yeux de la région Wallonne toujours, est-ce que ce même jury composé, je ne vais pas revenir là-dessus, mais de l'ASBL, de l'UCM, de l'IFAPME, et j'en passe, peut aussi valider, peut aussi donner un avis, peut aussi être juge, peut aussi être la structure décideuse, à la fois pour le centre-ville et pour ce même concept qui sort un peu, encore une fois, du périmètre du centre-ville. Et enfin, il y a depuis peu un projet similaire, pour ne pas dire identique, qui s'appelle Objectif Proximité, déposé aussi par la région Wallonne, et c'est un projet propre au village. Pourquoi ne pas profiter de ce concept au lieu de déplacer ni plus ni moins le concept Créacom 100% gestion centre-ville dans nos villages? Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ça. Caroline. Alors, il y a beaucoup de sous-questions. Donc, d'abord, comment est-ce que les villages ont été identifiés? C'est au travers de l'analyse qui a été faite au niveau de l'opération de développement rural. Donc, lors des différentes réunions qu'on a pu avoir avec l'ensemble des membres, il y avait un inventaire des commerces existants et des commerces aussi qui font de la vente à la ferme. Ce qu'on vise ici, ce sont des commerces de proximité. Donc, par rapport au centre-ville, l'objectif, c'est de soutenir et de faciliter le bien-être dans les villages. Et donc, typiquement, plutôt des alimentations générales, une boulangerie. Voilà, ce sont vraiment des commerces où on va se rendre à pied, en quelque sorte, pour un petit peu caricaturer. Et donc, pourquoi est-ce que quelqu'un qui s'installe en centre-ville aura envie de déménager dans le village? C'est une toute autre activité, dans un certain sens, puisque... si quelqu'un qui a un commerce de proximité en centre-ville
veut se délocaliser, c'est vraiment une délocalisation, mais c'est autre chose. On n'est pas du tout en train de faire concurrence. On a vraiment la volonté d'avoir des commerces de proximité dans les villages. C'est une demande très forte qu'on a au niveau de l'opération de développement rural. Donc c'est aussi répondre à cette demande que l'on voulait faire. Comment on va communiquer ? Ben, un petit peu tout azimut, par différents créneaux, au travers de la commission, évidemment, de développement rural, de manière, enfin, via les médias, évidemment, mais au travers aussi des comités de village. Enfin, voilà, le but, c'est de pouvoir relayer cette information. Pourquoi est-ce que la SBL Centre-Ville est observatrice au sein du jury ? Donc, ce n'est pas la structure porteuse, c'est vraiment la ville qui porte l'aide. L'ASBL ne va pas du tout gérer ni l'analyse des dossiers, ni le paiement des subsides, ni le suivi administratif. Cela étant, effectivement, au centre-ville, c'est un mécanisme qui fonctionne bien, et on a un comité qui est constitué de plusieurs organismes d'accompagnement, dont c'est le métier d'accompagner des commerces, des petites entreprises, hein, ça peut être des commerces, où qu'elles soient. En général, les organismes d'accompagnement qui sont présents au sein de ce comité ne sont pas dédiés ni au centre-ville de Tournai, ni même à la commune de Tournai. Ce sont souvent des organismes qui travaillent sur plusieurs communes. Donc, ils ont tout à fait leur place à cet endroit. Ils ont l'habitude d'analyser des dossiers de création d'entreprises au sein des jurys qui sont organisés. Et donc, effectivement, comme la SBL a cette expertise, on avait le souhait qu'ils puissent participer en tant qu'observateurs, puisqu'il y a cette expérience aussi et cette connaissance, j'ai envie de dire, de notre territoire. Alors, au niveau de l'objectif proximité, donc, il y a une question qui porte sur ce sujet en fin de conseil, mais ce que nous a demandé la région, c'est de définir des centralités. Donc, c'est vraiment comme ça que porte et qui a été défini l'appel à candidature. Et donc, il fallait répondre en remettant une candidature sur un périmètre défini pour lequel on a des statistiques avant-après. Vous savez comme moi qu'au sein de Tournai, on a la chance d'avoir une gestion centre-ville pour l'intramuros, mais en dehors de l'intramuros, pour la première couronne et au niveau des villages, il n'y a pas d'organisme spécifique d'accompagnement qui peut apporter cette analyse. On a posé la question à la région, à savoir, tiens, est-ce qu'on peut définir certains villages, certaines centralités, et ça a été refusé. Donc c'est vraiment un objectif très important au travers d'objectifs proximité de viser des centralités, et donc on en parlera après pour le centre-ville. Peut-être dire aussi que cet objectif proximité, c'est de l'investissement. Ici, l'aide Créacom ruralité, comme l'aide Créacom, c'est une aide au loyer, c'est une aide en trésorerie. Lors de l'élaboration du plan Horizon, hein, qui a été établi par la région, il y a eu beaucoup d'échanges avec les structures d'accompagnement, les gestions centre-ville, les échevins du commerce, les échevins du commerce. Et donc, moi, j'avais eu l'occasion à ce moment-là de témoigner en disant que l'aide au loyer, c'est vraiment une aide qui est intéressante pour les commerçants parce que c'est de la trésorerie qu'ils ont directement. À un moment, on avait même au sein des jurys demandé, en fait, on a mis dans notre règlement Créacom l'obligation de choisir entre une aide à l'investissement ou l'aide au loyer. Tous les commerçants privilégiaient l'aide au loyer. Mais ça, c'est pas quelque chose qui a été transcrit dans ce qui est proposé à la région. Voilà, ici, c'est pour ça aussi que ce n'est pas une aide à l'investissement qu'on propose, c'est vraiment une aide au loyer qui est proposée au niveau des villages. Alors, le périmètre peut être amené à évoluer, mais c'était important pour nous, au travers de cette aide, de ne pas venir cannibaliser non plus ce qui se passe dans les villages. Il y a des villages qui ont un commerce, juste un seul commerce, et il n'y a pas la clientèle ou l'échalant pour avoir deux commerces qui vivent à ce moment-là. Et donc on avait vraiment la volonté de pouvoir avoir des commerces qui se créent là où il n'y a aucun commerce dans les villages et pas venir déstabiliser finalement ce qui existe et peut-être risquer de ne plus rien avoir du tout dans des villages où on a un seul commerce ou une seule vente à la ferme. Emmanuel. Moi, justement, ce n'est pas ouvrir un deuxième commerce dans le village, c'est aider un commerce qui pourrait être pris dans un village. Il y a des commerces de proximité dans certains villages qui vivotent et certaines personnes qui sont proches de la pension qui voudraient éventuellement cesser leurs activités. Est-ce que dans le cadre ici de Créacom, on pourrait aider ces commerces pour être repris via une aide au loyer ? On n'a pas exclu les reprises, donc ça pourrait.
Donc on peut élargir ce périmètre de... C'est parce que dans le dossier, il y a tous des villages cités, on pourrait... Mais on a précisé que le périmètre peut être amené à évoluer, okay, de façon justement à pouvoir tenir compte, ou mettons qu'il n'y ait pas de repreneur, mais qu'il y ait une activité qui ferme, voilà. Et ben on se retrouverait avec un autre village qui n'a pas de commerce, et effectivement, ça pourrait évoluer, voilà, dans le futur. Ok, merci. Jean-Michel. Oui, non, c'est très bien. C'est dommage qu'on n'aura pas trouvé un autre nom. Pour dans l'esprit des gens, CréaCom, c'est vraiment le projet de Tournai et de son ASBL Centre-Ville. C'est dommage que le copier-coller a été jusqu'au même nom. C'est un peu paradoxal dans la tête de certains investisseurs, peut-être du Centre-Ville. Mais bon, c'est une question de nom, c'est pas bien grave. Et en même temps, je pense que les gens savent que CréaCom, c'est une aide au loyer. Et tout comme il y a des personnes extérieures au Centre-Ville qui viennent ouvrir un commerce en Centre-Ville, peut-être qu'il y en a qui viennent d'ailleurs et qui ont envie d'ouvrir un commerce dans les villages. Donc, quelque part, c'est pas plus mal que les gens sachent ce que c'est, parce que justement, la question de la communication et de la connaissance de l'existence de ces aides, c'est évident pour les gens qui sont actifs dans le secteur, ça l'est pas toujours pour les autres. Et le titre est bien CréaCom Ruralité. Oui. Tout à fait. Ok, unanimité ? Oui. Merci. Au point 28, c'est le renouvellement de l'adhésion à la centrale d'achat ORES pour une durée de 4 ans, pas de problème ? Unanimité, je vous remercie. Au point 29, c'est la commune énergie éthique, rapport d'avancement final 2022 du conseiller en énergie. Caroline. Voilà, je voulais juste vous en dire un petit mot parce que donc on approuve ce rapport chaque année puisqu'on doit le soumettre au niveau de la région. Au niveau des financements, et donc je ne vais pas vous en faire la lecture évidemment, mais je voulais attirer votre attention sur quelques points qui me semblaient importants, et notamment le fait que bien depuis l'arrivée du nouveau conseiller énergie en septembre 2020, on a vraiment une évolution et un travail très conséquent de sa part, et évidemment en collaboration à la fois avec le bureau d'études bâtiments et les services de maintenance, chauffage, électricité et autres. Et donc si on prend uniquement ce qui s'est fait cette année, il y a un nombre de dossiers très conséquents, notamment par rapport à la politique de la commune d'avoir une sortie du mazout, puisqu'on a cinq chaudières, où on n'a plus de mazout, mais pour autant, on n'a pas laissé les autres chaufferies qui étaient plus vétustes en reste, puisqu'on a eu 15 changements de chaufferies dans des bâtiments. Alors, ça s'accompagne évidemment avec des rénovations qui sont plus globales, puisqu'il y a vraiment une volonté, au travers du travail du conseiller énergie notamment, et au travers du cadastre énergétique qu'il a effectué, d'avoir des rénovations qui sont complètes et globales. Et donc souvent, ça s'accompagne à la fois de rénovations de l'enveloppe, de toiture, de châssis, de changement de chaudière. Et donc petit à petit, de relamping aussi, un gros travail des électriciens, petit à petit, on a réussi, entre 2019 et 2021, il a volontairement fait la comparaison pas avec 2020, puisque c'était une année un petit peu particulière en termes d'occupation, à avoir une économie de 21% en électricité et 19% en chauffage. Donc c'est quand même très conséquent et d'autant plus bienvenu dans le contexte actuel d'augmentation des prix. Ça s'est accompagné aussi d'une sensibilisation importante du personnel, que ce soit au travers de communication ou au travers de sensibilisation quand il y a des nouvelles installations. Et voilà, je pense que c'est quelque chose qui est important à préciser parce que ça s'inscrit dans notre PST avec un plan important de rénovation des bâtiments. Voilà. Voilà, je suppose que Caroline vous aura tous convaincus. Non. Madame Martin. Non, pas de problème avec ce rapport. On a pris connaissance, on a vu qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été faites ou en cours, et c'est une très bonne chose, on n'a absolument rien à redire à ça. Mais nous pouvons lire dans votre présentation de ce point que pour parvenir à vos objectifs, des actions ambitieuses doivent être menées, dont, entre autres, la promotion des transports en commun. Alors, quand pourrons-nous avoir une information sur vos actions à ce sujet ? Alors, effectivement, ça s'inscrit dans ce rapport parce que dans le rapport, il y a à la fois des éléments qui répondent aux consommations propres de la commune au niveau de nos bâtiments, au niveau de nos transports et aussi au niveau du grand public. Et donc, il y a des actions qui visent à la fois l'exemplarité de la commune et puis le grand public. Sur les actions plus spécifiques au niveau des transports en commun, je ne sais pas vous répondre, donc je vais passer la main.
Jean-François. Merci. Alors, par rapport au transport en commun, je ne sais pas si vous avez entendu parler du Mobility Day, notamment. Vous croyez peut-être qu'on ne fait rien pour promouvoir d'autres types de transports, mais justement, on a créé quelque chose qui est assez innovant à Tournai, qui est vraiment, et qui se passera d'ailleurs le 30 avril prochain pour la deuxième édition, qui est vraiment la journée consacrée à la mobilité pluriel et aussi à la prévention par rapport à toutes les incivilités, notamment liées à la vitesse. Et donc, notamment lors de cette journée, il y a toute une série de stands. Nous mettons en valeur la SNCB, nous faisons venir l'association navetteur.be. Il y aura un grand bus, comme ça a déjà été fait, hein, de la tech avec toute la promotion, tout l'aspect promotionnel lié au tech. Il y a aussi les voitures Cambio dont on fait aussi régulièrement la publicité. Enfin, voilà, il y a aussi d'autres, à d'autres moments, des lieux et des endroits où on fait la publicité des transports en commun, des autres moyens de transport, mais je veux dire, on était plus loin que ça. On a créé une journée autour de ça, justement. Donc je pense que par rapport à ce qui se faisait, ou se faisait plutôt, ne se faisait pas avant à Tournai, je pense que c'est une avancée majeure en la matière, même si il y a toujours moyen de communiquer mieux et plus, j'en suis le premier conscient. De la promotion des transports en commun se limite à faire la publicité des transports en commun existants. Vous n'avez pas de plan ou de choses que vous prévoyez maintenant ou l'année prochaine pour développer ça. Parce que vous nous aviez parlé à un moment donné d'être en discussion, par exemple, au niveau de la tech pour par rapport aux bus, aux fréquences, etc. Où est-ce que vous en êtes avec ça? Ou est-ce que, bon, voilà, on se contente de ce qu'on a maintenant? Je suis désolé, je n'ai pas très bien entendu votre à question. À un moment donné, vous aviez... Oh, mais ça remonte déjà, je ne dirais pas au début de la législature, mais à peu près. Vous aviez parlé de développer... Vous aviez dit que vous aviez des contacts avec la tech pour développer les transports publics. Donc, on n'a plus jamais eu de nouvelles de ça. C'est ça que je voulais... Moi, je pensais que vous alliez me répondre dans ce sens-là. Donc, si vous ne savez pas me répondre aujourd'hui, bon... Non, mais il y a... Enfin, je veux dire, il y a... On nous en fait suffisamment le reproche, à tort ou à raison. Mais je veux dire, dans toute une série de politiques, on soutient activement le transport en commun, notamment le transport par bus. J'ai envie de dire, regardez tout ce qu'on fait au niveau des boulevards, ce qu'on va faire actuellement au niveau des boulevards, où on concentre effectivement et on augmente plutôt la part de transport bus, notamment sur site unique. Ce sont quand même des positionnements forts en termes de soutien à la mobilité alternative autre que la voiture. Bientôt, ici dans quelques semaines à Tournai, il va y avoir un aspect promotionnel sur, je vais pas aller trop loin parce que ça doit encore passer au collège, mais sur notamment les nouvelles façons de communiquer où on va présenter le nouveau logiciel d'information des techs. Enfin, il y a toute une série de choses qui se mettent en place. Donc je ne vois pas ce que vous attendez de plus. Une augmentation des transports en commun, des transports, bon. Des navettes gratuites qui vont de l'extérieur vers le centre-ville, des choses comme ça, quoi, des choses plus concrètes. Dans le rapport par rapport à tout ce qui est économie et énergie, on voit des actions concrètes. Ici on n'en voit pas, quoi. Allez, restons dans les compétences communales. Par rapport au point 29, quel est votre vote? Unanimité, Madame Martin? Oui. Okay. Unanimité, je vous remercie. Au point 30, adhésion au programme de déploiement de bornes de recharge électrique pour vélos et véhicules, bornes de recharge pour la flotte, Comedam, Madame Margam. Alors, Monsieur le Président, donc c'est un point très important et au-delà des aspects macro-techniques qui concernent la production d'électricité, puisqu'il faut bien évidemment que ces bornes soient raccordées à une source d'énergie pour que les voitures puissent en bénéficier. Vous avez donc un projet qui concerne 31 points
de recharge pour chaque destination en fonction des critères de mobilité et des critères socio-démographiques définis par la Wallonie dans le cadre d'un appel à intérêt du 30 novembre 2022 du ministre Henry. Il est dit que ces 31 points de recharge incluent la borne là, il y en a une, la borne précédemment déployée sur notre territoire, et donc j'ai fait le calcul des endroits proposés par Idétat, puisque ce sont les agences de développement territorial qui entrent en action dans le cadre prévu par le ministre, font que j'arrive à 29. Et donc, je voulais vous demander si le calcul était exact et où étaient les deux bornes manquantes. Ça, c'est déjà une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y avait un projet de déployer des bornes, oui, double borne de recharge pour voitures électriques dans le cadre de l'aménagement du plateau de la gare. Et ce projet évoluant, ces bornes ont été diminuées à la moitié, puisque nous n'aurons plus que 4 doubles bornes au lieu des 8 prévues. En outre, donc je voudrais savoir pourquoi. En outre, je vois que ces bornes ne peuvent pas ou ne pourraient pas, je vais être prudente, inclus dans le cadre FEDER, donc dans le cadre du marché européen qui concerne la rénovation de la rue Royale et du plateau de la gare. Alors, est-ce que c'est parce qu'elles seront aménagées trop tard? Est-ce que c'est parce que les raccordements électriques ne sont pas suffisants ou pas présents à l'endroit où on aurait pu les imaginer, puisque à un moment donné, on avait parlé de bornes électriques dans la rue Royale? Ou est-ce parce qu'il y a des contraintes qui sont liées au contrat qui a été noué avec le studio Paola Vigano et qu'il y a impossibilité de dépasser ces contraintes? Donc, c'est une série de questions que je vous pose pour que l'on puisse bien prendre la mesure de ce chantier, qui est quand même un chantier d'avenir. En ville, il est sans doute préférable pour des questions de bruit, pour des questions d'émissions de CO2 et de concentration de ces émissions, et aussi pour des questions de mobilité par rapport au fait que les voitures électriques sont souvent, en tout cas il existe des modèles de petites voitures qui sont très aisées à utiliser dans le contexte urbain. Il faut évidemment être aussi, en tant qu'autorité publique, un développeur de ces technologies. Donc, pourriez-vous me répondre sur les quelques questions que je viens de vous poser? Le groupe Ensemble a toujours été sensible, effectivement, à la question des bornes électriques, et je pense que lors de précédents conseils communaux, on avait posé déjà cette question, et nous sommes heureux de savoir qu'effectivement le collège prend en compte cette question. Maintenant, il est évident que c'est bien de pouvoir mettre en place des bornes. Maintenant, nous savons tous que ces bornes, il faut les alimenter. Concrètement, est-ce qu'en termes d'énergie renouvelable, en sachant qu'à l'horizon 2030, nous devons réduire de 40% nos consommations en énergie fossile, est-ce qu'il y a un plan clair de production d'énergie, hormis la réduction en termes de chauffage et autres? Est-ce qu'il y a des panneaux photovoltaïques? Et si oui, est-ce qu'il y a des bâtiments déjà inventoriés et précis sur lesquels on pourrait éventuellement installer ces panneaux? On prend l'exemple ici de la firme Netis qui a proposé à Liège, dans la région de Liège, aux communes de pouvoir leur apporter des sites où on pouvait installer, que ce soit sur le sol ou sur des bâtiments, des panneaux photovoltaïques, en lien avec les bornes qui étaient notamment installées. Est-ce qu'au niveau de Tournai, on évolue vers ce système-là? Et si oui, à l'horizon 2030, c'est dans 7 ans, c'est pas loin, est-ce qu'on a des précisions par rapport à ces bâtiments, et par rapport à ce lien entre bâtiments, production d'énergie et mise en place des bornes de recharge électrique? Ok, merci. Avant de donner la parole à Caroline, Madame Margam souhaite ajouter un propos. Oui, je suis très heureuse que Flavien aborde cet aspect qui est
liées à la production d'énergie sur un territoire. Et je voudrais souligner que la possibilité de faire, par exemple, des communautés d'énergie, notamment avec des autorités publiques, bien que les arrêtés d'exécution du décret ne soient pas encore sortis, mais ça s'étudie déjà maintenant, est une partie de la réponse à, aux questions posées par Flavien. Donc, il n'y a pas seulement que l'utilisation de l'électricité produite au niveau central qui est ensuite distribuée par les réseaux de distribution, mais il y a aussi la possibilité, avec des productions locales d'énergie, de créer des communautés d'énergie qui sont valables pour les citoyens parce qu'ils se raccrochent à une ferme solaire ou à des éoliennes qui ne sont pas nécessairement des éoliennes domestiques, mais qui sont des éoliennes existantes sur le territoire, et ou avec des autorités publiques. Et donc, dans ce cadre-là, en fonction de l'emplacement qui a été choisi, et j'imagine qu'on vous a expliqué pourquoi on avait choisi tel ou tel emplacement au niveau de l'intercommunalité d'État, il y a moyen parfois de créer ce type d'infrastructure, de convention, qui permet à ceux qui en profitent de bénéficier de l'énergie nécessaire à un prix fixe. Caroline. Alors, je vais essayer de répondre à toutes les questions, mais si j'oublie quelque chose, vous me le rappelez. Donc, pourquoi est-on passé de 31 à 28 En fait, il y a eu pas mal d'évolutions dans la proposition des différents emplacements. Comment ça a été fait? Comment ça a été pensé? Puisque vous disiez que vous imaginez qu'on nous a expliqué comment ça a été choisi. En fait, IDETA a procédé à une répartition du nombre de points de recharge possibles. Donc je dis volontairement points de recharge plutôt que bornes, puisqu'on peut soit avoir une borne simple ou une borne double, en fonction du nombre d'habitants sur le territoire. Et nous a proposé tout un tas de sites. Les sites sont définis en fait sur base d'un octogone, à condition qu'il y ait une cabine haute tension qui fournisse la puissance nécessaire à proximité. Et donc, parfois, il y a des sites où on aurait souhaité mettre des bornes, à côté de certains parkings de délestage, par exemple, mais malheureusement, il n'y a pas la puissance disponible. Donc, voilà, par exemple, une des contraintes qui fait que les sites ont pu évoluer. Ou alors, ce sont des sites où l'on savait qu'on allait installer un point d'apport volontaire. Ou ce sont des sites qui allaient faire l'objet d'un aménagement prochain, et donc ben, on n'allait pas installer une borne alors qu'il allait avoir un aménagement. Voilà, donc c'est quelque chose qui a évolué quand même beaucoup pendant plusieurs mois, et donc il y a certains sites qui sont passés de borne simple à borne double. Voilà qui peut expliquer cette différence de nombre. Alors, par rapport aux bornes de la rue Royale, du projet en fait du plateau de la gare. Dans le cadre du projet SMART qui a été déposé il y a plusieurs années, il y avait la volonté d'intégrer des bornes de recharge électrique. Donc ça, c'est vraiment le projet initial. Et puis, entre-temps, est arrivé cet appel à projet. Et on a saisi l'occasion de pouvoir intégrer les bornes qui vont être installées dans le cadre de cet appel à projet. Pourquoi ? Dans un souci de gestion, en fait, de pouvoir proposer un seul réseau dans l'espace public, un seul accès aux différents utilisateurs qui ont des véhicules électriques, même s'ils sont habitués à pouvoir aller sur plusieurs bornes, dans un petit périmètre comme ça, c'est plus simple. Et surtout, c'est un métier de gérer les bornes et de pouvoir avoir cette gestion et ces facturations. Alors, est-ce qu'il y a une volonté d'intégration avec des panneaux photovoltaïques ou une autre production d'énergie verte à proximité de ces bornes? Pas directement, puisque ces bornes sont raccordées au réseau électrique, c'est comme ça que c'est pensé, sur le domaine public. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de production photovoltaïque au niveau de la commune, puisque on a vraiment une volonté d'installer, enfin d'avoir des installations photovoltaïques. Et donc, c'est évoqué d'ailleurs dans le rapport précédent, on a réalisé, on a une vingtaine d'installations pour l'instant, et on a souscrit au projet Neovia, donc c'est un petit peu le même que celui que vous évoquiez, qui est d'installer des productions photovoltaïques de grande capacité, hein, plus de 10 kW crête sur nos bâtiments en tiers investisseurs. Donc ça, c'est dans le cadre du projet Neovia, au travers de l'intercommunalité IDETA et de CNEO.
Et donc ça va arriver ici dans le courant de l'année, puisque c'est un marché qui est plus important. Et donc la commune, on avait validé au conseil communal, je pense que vous vous rappelez, hein, l'adhésion à cette convention. Alors, au niveau des communautés d'énergie renouvelable, eh bien, on a la chance d'avoir une communauté d'énergie renouvelable pilote sur notre territoire avec le CPS qui participe. Maintenant, effectivement, les arrêtés ne sont pas encore sortis. Et donc, on a eu, au travers de la commission participative de développement durable, une demande des citoyens de pouvoir créer ces communautés. On a fait une présentation, Aidéta a fait une présentation du fonctionnement, en tout cas des grands principes que vous venez d'expliquer, à cette commission en décembre. Et l'objectif, c'est de pouvoir avoir un projet, un quartier pilote où on pourrait tester une communauté d'énergie. Maintenant, tant qu'on n'a pas les arrêtés, c'est toujours un petit peu compliqué d'aller vers des citoyens et de leur expliquer le fonctionnement. Donc voilà, c'est quelque chose qui est en tout cas en préparation, je vais dire, mais qui attend la sortie de cet arrêté. Voilà, je pense que j'ai répondu à tout. Sauf sur la diminution de moitié des bornes relatives au projet Royal Plateau de la Gare. Et donc, pour l'instant, vous avez Eh bien, dit... donc, c'était 8 bornes, double, et maintenant, c'est 4. Il y en a effectivement 4. Ouais. Eh oui. Donc... 8, c'est pas un chiffre Pourquoi que je connais, moi, c'est... C'est toujours ce qui a été évoqué, mais... Mais non, on dit simplement... Écoutez, dans le dossier, c'est clair. On dit simplement qu'on en a abandonné 4, double, avec l'évolution du projet. Donc, je comprends pas. Je voudrais comprendre pourquoi on fait un nouveau projet. On peut installer les lignes nécessaires dans les fourreaux qui sont sous la voirie. Mm-hmm. Et donc, on constate qu'au lieu d'avoir les 8 doubles bornes, on n'en a plus que 4 doubles. C'est une formulation, il n'y a pas d'abandon en fait. C'est le fait qu'elles ne sont plus installées dans le cadre du projet FEDER, mais dans le cadre de ce projet-ci. Il n'y a pas d'évolution en termes de nombre. Ben si. C'est indiqué comme tel, ont été diminués à 4 doubles. Bien, la formulation ne correspond pas, parce qu'il n'y a pas eu d'évolution sur la Bien, quantité. Voulez-vous vous renseigner, parce qu'on va voter évidemment sur ce dossier, puisqu'on adhère au principe, mais voulez-vous vous renseigner et m'expliquer par écrit pourquoi je vois dans le dossier que les 8 bornes doubles ont été diminuées à 4 doubles. Ouais. Pour moi, il n'y a pas de changement, mais je... Donc, Philippe va apporter un complément. Voilà. Et donc, je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment diminué. Ce qui est sûr, c'est que les câbles ont été installés. Entre-temps, comme l'a très bien dit Caroline, on a eu donc cette proposition d'avoir 30, au départ 31 bornes sur toute l'entité. Mmh. Alors, la difficulté était justement dans la gestion. Parce que est-ce qu'on devait continuer le projet en disant on va laisser en effet toutes ces bornes qui sont peut-être d'une marque, et que celui qui va avoir le marché des 31, il aura un matériel d'une autre marque. Et donc, en termes de pièces de rechange et de gestion, d'entretien, ça aurait été un problème. Il est probable que cette personne ou cette société qui va gérer les 31 les 31 bornes de recharge n'aurait pas accepté de aussi gérer des bornes de recharge qui n'étaient pas du tout pareilles. Et donc, on en a beaucoup discuté, d'une part, avec les services, et in fine, on a préféré, donc, le matériel, enfin, le câblage, il est là. La simple chose, c'est que ce ne sera pas nous qui allons installer ces bornes, mais elles seront là où elles ont été décidées, à savoir en face... je vais dire du 922, donc sur la partie est du parc Crombé, et il y en aura deux doubles qui se trouveront côté donc rue des Jardins ou rue de Becquerel. Donc elles vont être installées, mais pas celles qui étaient prévues initialement, pour justement permettre une gestion intelligente par une société. Parce que nous n'avons pas le métier de pouvoir gérer ce genre de matériel. Maintenant,
Petite information que je peux vous donner aussi, c'est que j'ai des promoteurs qui viennent nous consulter, et pour l'instant on en est vraiment en balbutiement, pour justement pouvoir faire des zones où ils vont gérer des bornes de recharge. Donc voilà, je crois que l'impulsion que le public donne, c'est bien, mais de toute façon, il faudra à un moment donné que le privé, comme les pompes à essence, hein, c'est comme si au début de la voiture, on disait que c'était les communes qui devaient mettre des pompes à essence. Ça, je suis bien d'accord, donc, j'en ai parlé. Ici, je crois qu'on donne l'impulsion, et je crois qu'on va voir arriver des sociétés qui vont s'occuper de pouvoir fournir l'électricité. Si je peux me permettre d'essayer de résumer ce que vous m'avez dit, qui n'est pas très clair, ni dans le chef de Mme Mitry, ni dans le chef de M. Robert. D'abord, nous n'avons pas d'explication sur le fait qu'il y a 8 doubles bornes qui deviennent 4 doubles bornes. Mais vous pouvez m'envoyer l'explication par écrit, il n'y a pas de problème. La deuxième chose que je crois comprendre de vos explications, c'est que finalement, les fameuses 31 bornes, qui ne sont pas 31 mais 28, sont placées par une société qui ne serait pas la même que celle qui placerait les bornes relatives ou installées dans le cadre du projet du plateau de la gare. Bien sûr. Et donc elles ne peuvent pas tomber dans le même marché public, et il y a donc un avenant qui est prévu au marché public avec Mme Vigano, ainsi qu'avec l'entreprise Eurovia, et qui sera soumis pour validation au collège communal, afin de ne pas acheter ni poser ses bornes dans le cadre du projet actuel d'aménagement, mais dans un autre cadre. Tout à fait. Voilà, donc c'est encore un cadre différent, mais ça ne change pas les questions du nombre. Donc j'aimerais bien avoir une réponse circonstanciée, non seulement sur cette espèce de formulation au conditionnel qui fait un peu salmigondi dans le dossier, que vous avez essayé d'expliquer maintenant, mais également sur le nombre de bornes disparues. Eh bien, on vous fera ça. Fort gentil. Il n'y a pas de souci. Merci. Unanimité malgré les salmigondis ? Mais là, je parle sérieusement. Vous êtes d'accord ? Unanimité ? Oui, on est d'accord, okay. J'avais dit. Je vous remercie. 31. PIG, attractivité des rues commerçantes, achat de matériel événementiel, matériel mis prioritairement à disposition de l'ASBL, tournée centre-ville, convention. Jean-Michel. Oui, merci. Alors, cet achat de matériel... Je t'en prie. Cet achat de matériel est évidemment important, tant pour le service des fêtes publiques que pour... L'ASBL Centre-Ville qui en sera prioritaire selon les termes des textes. Un achat prévu depuis un an, en tout cas un dossier préparé depuis un an, conjointement entre le service des fêtes et l'ASBL Centre-Ville. Le service des fêtes qui se réjouit enfin d'avoir du matériel, tant le nombre d'animations et de festivités sont nombreux dans le courant de l'année, ainsi que les événements organisés et mis sur pied par l'ASBL Centre-Ville. Donc tout le monde se réjouissait et se réjouit de cette partie du PIV consacrée à l'achat de ce matériel. Selon mes recherches, et là je suis un peu interpellé quand même, le listing dressé pour les besoins réels sur le terrain ne correspond pas au matériel ainsi que ces quantités reprises dans le dossier. Ça, c'est vraiment dommage quand on peut profiter d'une enveloppe et du dossier PIV pour faire profiter tant la ville que son ASBL Centre-Ville. Apparemment, il y a eu un petit grain de sable dans l'engrenage ou dans la passation de dossiers d'un service à l'autre. Exemple concret, avant ce conseil, nous étions au conseil d'administration de la gestion centre-ville où nous avons dû voter l'achat via marché public d'une importante tonnelle, alors que plusieurs tonnelles ont apparemment été demandées dans le cadre du PIV, et dans le matériel cité, on n'en voit qu'une.
C'est un exemple qui peut paraître anecdotique, pardon, mais ô combien important, tant pour les besoins de terrain que pouvant bénéficier de l'enveloppe prévue par le PIV. À côté de cela, sans barrière ERAS, est-ce que c'était si utile que cela? 270 barrières Nadar, on va dire oui, praticable. Enfin bon, voilà, je sens qu'il y a une différence entre le matériel demandé par les fêtes et ce qui a réellement été commandé et dépensé. À hauteur de 110 000 euros, si je ne m'abuse, c'est un peu dommage. Guillaume. Oui, merci, Monsieur le Bourgmestre. Je rejoins la réflexion de Jean-Michel sur ce point. On se réjouit, bien évidemment, par contre, de cette mise à disposition au bénéfice de l'SBL Tournée Centre-Ville. Ça permettra de soutenir les activités présentes et futures qu'elle organise et qu'elle organisera. Ce qui serait intéressant également, selon nous, c'est peut-être de réfléchir à la mise en place d'une convention similaire pour d'autres SBL qui vont aussi vivre le Centre-Ville. On a voté au dernier conseil communal ou à celui d'avant, je ne sais plus, le transfert de l'organisation de la brocante à la place Paul-Émile Janson à un autre organisateur. J'ai entendu dire lors du conseil d'administration ici de tourner Centre-Ville il y a 2-3 heures que peut-être d'autres activités seraient aussi transférées à d'autres SBL. Donc il serait intéressant que le collège pose une réflexion là-dessus et propose le même type de convention, donc mise à disposition à titre gratuit, pour toutes les autres SBL qui pourraient organiser des interventions et des activités au centre-ville. Merci. Madame Martin. Oui, on n'a pas d'objection particulière par rapport à ce point, mais on aimerait quand même bien. Donc, on comprend bien que c'est pour pouvoir créer des événements, pour attirer du monde dans les rues commerçantes. Mais pour le PTB, il y aurait un levier beaucoup plus puissant pour attirer du monde en permanence dans les rues commerçantes. C'est les 2 heures de parking gratuit. Hein. Enfin, on peut en parler à chaque conseil communal. Mais... Bah oui, parce que c'est maintenant qu'il faut en parler, hein, parce que ça sera bientôt. Vous allez bientôt arriver au bout du contrat avec City Parking, et vous savez bien que le PTB tient particulièrement à ce qu'on supprime. Donc, c'est quand même assez marrant. Et beaucoup d'habitants souhaitent la même chose, et je crois que les commerçants seraient très satisfaits aussi. D'arriver entre l'achat d'un tréteau aux 2 heures de parking, c'est pas mal. Intellectuellement parlant, je trouve que c'est une gymnastique assez intéressante. C'est au niveau des objectifs. Hein. Caroline. Sur le parking, il y a une question en fin de conseil. Sur le matériel, effectivement, je pense que tu l'as dit, hein, Jean-Michel, c'est un achat qui est très conséquent, puisqu'on a à la fois plusieurs dizaines de tables, plusieurs centaines de chaises, des praticables, une tonnelle, des barrières ERAS, Nadar, et également des barrières spéciales qui permettront de servir de porte-vélo pour l'événementiel. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout. Voilà, et qui est aussi bienvenu. Donc ce matériel a été acquis dans le cadre de l'APIV dans une optique de soutien aux animations commerciales. C'était un des objectifs de l'octroi de cette enveloppe. Et effectivement, il y a eu de nombreux échanges entre la gestion centre-ville et le service des festivités et de prêt du matériel, pour voir qu'est-ce qui avait besoin soit d'être complété, soit d'être remplacé, parce que c'est aussi des choses qui s'usent. Et donc, il y a effectivement une différence au niveau d'une tonnelle. C'est un dossier qui a été porté sur un an, et donc il manque une tonnelle par rapport à ce qui avait été discuté au début. Alors pourquoi, je ne sais pas te le dire. Entre-temps, il y a une évolution des prix aussi. En tout cas, on a complété effectivement avec la gestion centre-ville il y a quelques heures, mais je pense qu'on peut quand même se réjouir de la quantité de ce qui est prêté et de l'objet aussi de ce qui est voté ici, puisque l'objectif de cette convention, c'est vraiment que ce matériel soit prêté en priorité pour ces animations qui ont vraiment pour but d'améliorer l'attractivité du centre-ville. Est-ce qu'il fallait conclure une convention avec d'autres organismes similaires? Je pense que voilà, la gestion centre-ville, c'est quand même un organisme un peu spécifique par rapport à d'autres ASBL qui organisent des événements en centre-ville, puisque c'est un partenaire clé quand même de la commune au niveau du dynamisme commercial. Pour autant, n'importe qui peut toujours demander du matériel au travers des différents modèles et du guichet unique.
Et quand c'est disponible, on peut le prêter ou le louer. Mais je rappelle qu'il y a aussi des organismes de location dont c'est le métier. Donc la ville, tout en soutenant, ne doit pas non plus tomber dans une concurrence déloyale. Voilà. Merci. Quelqu'un souhaite répliquer ? Oui, encore un petit détail. Quand je vais à Délivrez-vous, qui marche très bien, je compte 80 tables données par la ville, enfin prêtées par la ville à l'SBL, et là on en achète 70. Donc il y a déjà et encore un manquement dans ce qu'on a acheté et sur la réalité de terrain. Ça, c'est dommage. Oui, mais le budget n'était pas extensible. Hein, donc, je me doute. Ok, unanimité. Je vous remercie. Au point 32, appel à projet Main Changers, des régions et leur jeunesse s'engagent pour la planète et ses habitants. Avec mesure 14, pas de problème, unanimité. Je vous remercie. Exposition Stolen Memory, c'est une convention avec les archives à Rolsen. Pas de problème, je vous remercie. Tournée rue des Bastions, convention intervenir avec une SBL. SBL portant sur l'ancien terrain de football d'Alain, approbation, c'est avec l'ASBL des Bois d'Alain, pas de problème, je suppose. Je vous remercie, unanimité. Parc naturel des plaines de Lescaut, charte paysagère, approbation, unanimité. Je vous remercie. Décret du 6 février au point 36 relatif à la voirie communale Béclé, sentier 40, modification partielle du tracé du sentier. Pas de problème, unanimité, je vous remercie. Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale à Remilly, Chasse-à-Prévost, création de deux zones de croisement et aménagement de l'accotement dans le cadre de la construction d'un ensemble de 30 habitations unifamiliales. Pas de problème, unanimité. Je vais trop vite. Pardon ? Je ne répondrai pas. L'avait pris le soir. Elle est bonne. Allons-y, non, sœur Marie-Christine. Je sais pas ce que c'est. Au point 38, dans le décret du 6 octobre 2022 qui modifie le code de la démocratie locale en vue de simplifier les dispositions relatives au marché public, c'est une délégation. Pas de problème. Madame Margam. Ah pardon, c'est d'abord Madame Martin. Alors, comment on est opposé, en fait, nous on est opposé à ces modifications parce qu'on considère que ça réduit la démocratie et que ça prend la place du conseil communal. Alors, votre argument qui consiste à dire qu'en consentant des délégations pour des tâches de simple gestion, le conseil communal pourra dégager plus de temps pour examiner en profondeur des dossiers plus importants stratégiquement. Moi, ça me rappelle l'expression « et si tu crois pas celle-là, on t'en racontera une autre hein. ». Donc, on va pas voter pour ça. Ok. Benjamin. Oui, vous m'entendez, voilà. D'abord, désolé pour mon arrivée tardive. La famille m'avait excusé. Je t'avais excusé. Merci beaucoup. Très simplement, en 2018, nous avons voté contre ce point similairement mis à l'ordre du jour. Ici, il revient parce que le décret a permis d'augmenter le plafond de la délégation. On va rester logique avec nous et conformément à ce que nous avons déjà voté précédemment, on va voter contre, d'autant plus que, et je rejoins ce que vient de dire Mme Martin, on préfère que... Je ne sais pas, mais tu te rends compte que depuis... Tantôt, c'était tout voté à l'unanimité. Tu viens de rentrer ? Ah ! Il fallait bien que j'arrive. Bon, blague à part, c'est une question de saine démocratie et de pouvoir mettre au débat, même si ça n'emporte pas de longues discussions, tous les points relatifs à nos finances. Et on sait que nos finances ne sont pas forcément dans le vert en ce moment. Donc, on doit être attentif à ça. Merci. Sœur Marie-Christine. Oubliez la suite, priez pour nous. Donc, nous ne sommes pas d'accord avec ce point parce que nous estimons que la justification qui consiste à dire que des délégations pour des tâches de simple gestion dégageraient plus de temps pour examiner en profondeur des dossiers plus importants stratégiquement, je constate que sous votre magistrature, les conseils communaux ne sont pas longs. D'ailleurs, Madame Martin vient d'expliquer une des raisons de leur rapidité. Et donc, je ne vois pas pourquoi, démocratiquement, nous n'aurions pas la possibilité de continuer à examiner
les marchés publics, surtout quand on voit que la jauge est placée à 250 000 euros. Et 250 000 euros, c'est quand même déjà un chiffre, hein, je vois, donner délégation au collège communal pour décider du principe de la passation, fixer les conditions pour les concessions de services de travaux d'une valeur inférieure à 250 000. Oui, c'est ça. Mais bon, donc, j'ai pris le chiffre le plus élevé. Donc, vous avez tous les chiffres, effectivement. Vous avez 120 000 pour les marchés. Vous avez des dépenses donc, à 7 500, à 10 000 et 250 000 pour les concessions. Donc, voilà. Enfin, je prends le chiffre le plus élevé. Nous estimons que nous devons pouvoir exercer notre contrôle démocratique sur l'ensemble de ces dépenses projetées. Et que ce n'est pas ce travail qui va allonger démesurément nos réunions du lundi, chaque fois que nous nous assemblons pour ce conseil communal. Monsieur le directeur général. Peut-être juste quelques explications quand même par rapport à certains montants. Par exemple, à l'ordinaire, le directeur général adjoint, vous aviez voté en début de mandature, et c'est déjà ce qui existait à la mandature précédente quand le décret était passé. Le directeur général adjoint avait une délégation jusque 3 000 euros. À l'heure actuelle, 3 000 euros en bon de commande, ben, c'est plus rien du tout. Enfin, dans une vie courante telle qu'une administration communale de tournée et de la taille de tournée, 3 000 euros, ça ne correspond à plus rien du tout. Et donc, je pense que pour celui-là, on pouvait monter jusque selon le décret. Hein. Donc, en fait, les montants sont variables suivant la taille de la commune. Donc, selon le décret, pour une commune de plus de 50 000 habitants, je vous dis ça de mémoire, c'est 15 000 euros. Et le collège, en concertation avec le directeur général et le directeur général adjoint, on a estimé, tous ensemble, qu'on pouvait aller jusque 10 000 euros, même si, en fait, de manière informelle, le directeur général adjoint, systématiquement, vérifie s'il n'y a pas un avis d'opportunité qui pourrait arriver. Donc, je prends un exemple, si c'est bêtement de l'achat de matériaux, le directeur général adjoint, il va prendre la décision. Si par contre, il se rend compte qu'il y a une décision qui pourrait être apportée par le collège communal et dire ben, oui, non, on ne fait pas cette dépense, le directeur général adjoint ne passera pas par bon de commande, d'office. C'est la règle qu'on a instaurée. Mais on est en dessous des 15 000 euros qui sont accordés, enfin, qui sont prévus dans le décret. On n'a pas voulu aller jusqu'au bout. À l'extraordinaire, on était à 1 500 euros, c'était très peu. Ça, c'est une délégation au directeur général, donc, c'est-à-dire à moi. Et là, on est monté jusque 7 500 euros. Mal extraordinaire, 7 500 euros, vous ne faites rien. Voilà. Alors, pour le reste, c'est vrai que la différence par rapport au conseil communal actuel, c'est que les marchés, la délégation de 60 000 euros, c'est 120 000 euros. Voilà. Maintenant, ce n'est pas la plupart des gros marchés, enfin, tous les gros marchés passent ici. Hein. Donc, voilà. Quand ça avait été 60 000 euros à la mandature, enfin, au début de la législature, je pense que vous aviez déjà voté différemment. Mais il faut savoir aussi que si on ne le fait pas, ça veut dire que chaque fois qu'on veut acheter quelque chose à l'extraordinaire, pour un certain montant, donc jusqu'à 120 000 euros, on doit chaque fois passer par le conseil communal. Donc ça veut dire qu'on fait les modes et conditions au conseil communal, on va seulement au collège pour l'exécution et on passe encore après l'attribution. Donc en termes de délai, pour la souplesse d'une commune, jusqu'à 120 000 euros. Enfin, voilà. Après, c'est un avis personnel de quelqu'un qui gère tous les jours. Hein, et donc, je comprends votre point de vue politique. Mais d'un point de vue administratif, quand on veut gérer un budget à l'ordinaire qui est de 140 millions d'euros, entre 130 et 50 si on compte le plan oxygène ou pas, à l'extraordinaire, on est entre 25 et 30 millions d'euros. Ça veut dire que si vous achetez, je ne sais pas moi, 4 véhicules, ben on n'a plus la délégation, il faut passer au conseil. Il faut le temps de commander, il faut le temps de... Enfin, voilà, c'est une question de pratique et de souplesse et d'efficacité ou d'efficience pour l'administration. Voilà. Ok, merci pour ces explications. Benjamin ? Oh, j'ai fait une erreur. Il y a des exemples frappants et celui de l'achat de véhicules qui ne pose pas de difficultés, évidemment, on peut le comprendre. Mais il y a aussi bien souvent des marchés pour lesquels un monitoring démocratique se justifie. Et
d'autant plus quand on était à 60 000, je trouvais que c'était justifié d'être réticent par rapport à cette délégation. Ça l'est encore plus quand on passe la barre à 120 000. Donc on maintiendra notre position. Merci pour ces explications. La position, c'est contre ou abstention ? Contre. OK. Madame Martin, contre ou abstention ? Contre. Madame Marguem ? Contre. OK. Donc, à la majorité, monsieur le directeur général, vous n'avez pas fait l'unanimité. Je suis triste pour vous. Point 39, liste des marchés passés pour justement les budgets ordinaires, extraordinaires, bons de commande, deuxième semestre 2022, c'est une information. Au point 40 à 42, ce sont les plans de relance sportif avec la désignation d'auteur de projet pour le suivi de toute une série de dossiers en matière d'infrastructures sportives. Au point 40, c'est le hall des sports de Tournai. Je propose de grouper les trois, je suppose. Au point 41, c'est le Pas du Roc à Vaud. Et au 42, c'est le complexe sportif de Caen. Je vous en prie. Alors, donc, ces dossiers étant groupés, nous allons de toute façon les voter. Et parce que nous sommes intéressés à la réalisation des projets qui les expriment. Mais nous nous inquiétons une fois de plus pour les dépenses qui sont liées au marché in-house, aux procédures in-house. Alors, on sait très bien qu'il y a tout un volume comme ça de trésorerie qui vont de l'intercommunal à la ville et de la ville à l'intercommunal par rapport donc à ces marchés. La ville dépense et paie à l'intercommunal et elle reçoit dans ce cadre-là, parce qu'elle est membre de cette intercommunal également, des dividendes. Alors, elle paie aussi des cotisations, il ne faut pas l'oublier. Alors, tout ça l'un dans l'autre, ok, on peut comprendre. Mais le vrai problème, c'est qu'ici, pour l'ensemble des lots, donc on n'a que 3 lots sur 7, pour l'ensemble des lots, on va dépasser le million d'euros en marché in-house. Ça, c'est déjà un premier point. Donc, c'est énorme. Le deuxième point, c'est qu'on n'a pas de comparatif par rapport au travail que seraient supposément incapables de faire les services de la ville de Tournai. Hein? Supposément, je dis. Hein? Attention, je souligne. Hein? Moi, je considère que, au contraire, nos services sont capables de faire ces travaux. Et donc, ils sont supposément incapables de les faire puisqu'on les donne à d'autres. Et en plus de ça, ces autres, qui reçoivent d'ailleurs des tas de marchés venant d'autres communes, parfois sont obligés de sous-traiter à des cabinets de projets, des cabinets d'architecture, des cabinets d'ingénieurs, Dieu sait quoi. Ce qui fait que finalement, l'argent qu'ils vous réclament, c'est de l'argent qui est quand même comptable de toutes les étapes intermédiaires qui existent entre le projet, l'administration et puis la concrétisation du projet. Et donc, à multiplier comme ça les étages entre le projet, l'impulsion politique et la réalisation du projet, ça fait cher pour les finances publiques. Et donc, c'est cette accumulation-là que nous avons déjà pointée à plusieurs reprises, que nous voulons à nouveau remettre en débat en disant « cela nous inquiète ». Car nous savons par le terrain, qu'en réalité, il y a plusieurs étages parfois, et que ce n'est pas seulement un contact en direct avec l'intercommunal, qui en est pratiquement à facturer à 12% sur l'ensemble du projet. Et ça, si vous allez consulter d'autres cabinets sur la place, qui n'ont pas la chance de pouvoir montrer leur expertise parce qu'ils ne sont pas choisis, qui n'ont pas la chance de vous faire gagner un peu d'argent parce qu'ils factureraient moins cher, eh bien, vous plombez de nouveau vos finances avec ce type de décision. Madame Martin. Oui, alors c'était un peu compliqué à démêler pour nous puisqu'on n'était pas là le conseil communal précédent, mais on a bien lu dans le PV du mois passé donc qu'une enveloppe de 4 691 000 euros était prévue pour les 5 projets qui portent en fait sur des travaux d'énergie. Alors, au passage, si vous pouviez nous confirmer que l'entièreté de cette enveloppe est bien couverte par des subsides. Je crois m'en rappeler, mais je n'en suis plus certaine. Alors, on voit ici, en fait, que ce budget est déjà majoré de plus de 500 000 euros en faveur d'IPAL pour pouvoir établir dans un temps court, pour établir ces dossiers et en faire le suivi de bout en bout.
Alors, puisque vous nous dites que c'est trop lourd à gérer, on est en cours par le bureau d'études du bâtiment de la ville, des bâtiments de la ville. Et ça, alors même que nous voyons qu'IPAL, en remettant l'offre, dégage sa responsabilité en signalant qu'il ne sera pas responsable de réception provisoire hors délai, pourtant généralement impérieux pour l'obtention des subsides. Alors, est-ce que ce n'est pas jouer avec le feu ? Et pourquoi la ville ne peut-elle pas assumer au moins l'un ou l'autre dossier pour réduire les coûts ? Vous nous dites que ça fera l'objet d'une régularisation à la prochaine modification budgétaire, mais pas comment vous comptez financer cette dépense supplémentaire. Elle n'est quand même pas anodine, surtout quand on sait que vous en êtes déjà à plus de 92% de la balise d'emprunt, comme signalé dans l'arrêté de réforme du budget que vous nous avez communiqué au point 1 de cet ordre du jour. Alors oui, bien sûr, on est favorable à des infrastructures sportives de qualité et le moins énergivore possible, mais nous craignons de voir des projets ficelés avec précipitation et avec comme conséquence surtout des dépassements vertigineux à payer par les citoyens. Benjamin. Oui, je serai bref. Je voudrais m'associer, au nom d'ensemble, évidemment, à ce qui vient d'être dit par la chef de file du MR à propos de la procédure in-house. J'ai déjà eu, par le passé, l'occasion de marquer une certaine crainte par rapport au recours quasi systématique, en tout cas, à cette procédure in-house, pour les raisons qui ont été largement et clairement expliquées par Marie-Christine. Cela aussi nous préoccupe. Alors évidemment, vu la qualité des enjeux, des trois points qui sont évoqués, nous n'allons pas voter contre, nous allons voter pour, mais nous marquons également une préoccupation appuyée sur ce recours excessif, nous semble-t-il, à la procédure in-house. Je prendrai la parole après, mais directeur général, demandez la parole. Pardon. Oui, donc peut-être simplement pour donner un point de vue technique et administratif par rapport au dossier et pourquoi on recourt ici à IPAL et in-house. Si vous vous souvenez, il y a eu des plans de relance qui ont été un peu des appels à projets, donc qui ont été lancés dans plusieurs domaines, que ce soit dans le domaine culturel, dans le domaine administratif et ici dans le domaine sportif. Dans le domaine culturel, l'un ou l'autre dossier avait été retenu par l'administration communale de Tournai, mais pas tous les dossiers. Au point de vue administratif, je pense que c'est la même chose. Par contre, pour le plan sportif, tous les dossiers ont été retenus par l'administration communale. Tous. Donc il y en a 6. Et tous. Et donc, c'est là notre difficulté. Parce que ces dossiers, et alors je fais une petite parenthèse, peut-être que vous avez lu ou que vous n'avez pas encore lu, mais il y a quand même une note de la Fédération des directeurs généraux et des directeurs financiers qui, justement, s'inquiètent de la prolifération de ces appels à projets et notamment des délais aussi qui sont donnés pour les faire. Donc, il faut préparer les appels à projets. Donc, ça, c'est nos services qui les ont faits. Donc, évidemment, quand vous avez une masse financière, principalement pour la rénovation, que ce soit énergétique, etc., ce qui est quand même un enjeu pour nous tous, et qu'en même temps, on vous dit vous pouvez avoir 70% de financement, mais c'est quand même très intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de rentrer un maximum de projets. Ici, c'est nos services qui ont rentré les 6 projets. On est retenu pour les 6. Après, il y a un délai pour mettre en œuvre ces projets. On a des permis à déposer, on a des demandes, etc. Et ça, on n'est pas capable d'absorber tous les dossiers. Donc, sur les 6, de mémoire, on en prend 3, nous, à l'administration communale. Et évidemment, nous, notre tampon, c'est qui ? Le plus facile pour nous, c'est une intercommunale qui a aussi des ingénieurs qui ont déjà fait ce type de travaux. Donc, que ce soit des bâtiments administratifs, ici, c'est des halls sportifs ou des parties de halls sportifs. Et donc, c'est pour ça qu'on fait ça. Ce n'est pas dans une optique de vouloir absolument donner une interco. Si on pouvait absorber nous-mêmes, on le fait. Alors, ça veut dire que nous, on doit engager, mais on doit engager aussi dans la durée. Or, ici, ce sont des appels à projets pour quelques mois. Et on doit faire le travail en ayant un délai très serré. Voilà. Benjamin. Merci. Marie-Christine soulignait tout à l'heure qu'il était courant que des cabinets d'architectes soient mandatés pour suppléer les intercommunales lorsqu'elles-mêmes étaient débordées. Qu'est-ce qui empêche la ville, dans ce cas-ci, d'avoir recours elle-même à ce type de sous-traitant, sachant qu'elle économiserait sans doute
essentiellement les délais. Alors, ce qui est possible pour les intercommunales ne l'est pas pour... C'est pour ça qu'on travaille en INOS. C'est vraiment la volonté et les qualités du INOS. Enfin, c'est le principe de l'interco aussi. Hein. Et quelque part, moi, ça me gêne bien évidemment beaucoup moins de faire appel à nos propres intercommunales. Moi, philosophiquement parlant, je ne comprends pas toujours votre position. Mais bon, qu'importe, on n'est pas là pour, je ne suis pas là pour faire en sorte que vous me suiviez, mais... Il est logique, me semble-t-il, que justement on fasse appel à nos intercommunales. Il est impossible de demander à nos propres services de le faire. Et alors, allez, je vais faire une petite boutade, Madame Margam, uniquement pour vous embêter un petit peu, mais... Oh, n'exagérons rien. Non, je serais vraiment très faible. Non, simplement pour dire, effectivement, quand le directeur général vient de le dire, on partait du principe que nous aurions eu, normalement, un projet sur trois. On a tout eu. Et donc, je voudrais en tout cas féliciter et remercier la famille MR de nous avoir soutenus très fortement. Et c'est à l'époque le ministre Jean-Luc Cruc qui nous a vraiment aidés. Donc, je voudrais vraiment que vous fassiez le porte-parole de la ville de Tournai pour le remercier. Et effectivement, donc, on ne pouvait pas ne pas répondre à tous ces appels qui ont été faits. Et donc... Là où je suis d'accord aussi avec, je ne sais plus qui l'a dit, c'est les appels à projets. Et là encore, là je suis d'accord avec un autre MR, là ce sera moins problématique pour vous, c'est Maxime Day, qui est le président de l'Union des villes et des communes, en disant à un moment donné, il faudrait peut-être que la région arrête de jouer un peu avec ses appels à projets, parce que si nous ne répondrons pas, nous allons avoir l'opposition sur contre nous en disant « enfin, vous aviez un appel à projet, vous ne l'avez pas fait ». Et puis quand on répond et qu'effectivement, on a la chance d'être retenu, et ici, on a eu vraiment 100%, ce qui n'arrive jamais, ben, effectivement, on doit trouver des pistes de solutions. Et ces pistes de solutions, les plus rapides, c'est les intercommunales. Et moi, très honnêtement, je sais comment travaillent les intercommunales, je sais comment travaille IPAL. Je pense vraiment que c'est on peut foncer tête baissée par rapport au personnel qui est là. Ça ne veut en aucun cas dire que notre propre personnel n'est pas capable d'eux. Notre propre personnel travaille dessus, mais vous savez aussi que pour pouvoir être efficace, on ne sait pas tout faire nous-mêmes. Je vous en prie. Attendez. D'abord Madame Martin et ensuite. Non, Madame Martin, mais après, Madame Martin. Et après, vous avez oui. La parole. Alors, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, Monsieur Senel, on a effectivement 70% de subsides pour ces travaux. Et la ville prend en charge trois projets, s'occupe, suit trois projets sur l'ensemble. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui, et après, on prendra parce que. Et alors, mais j'aimerais bien aussi avoir une réponse parce que j'ai vu dans le budget, vous aviez prévu pour ce point-là 300 000 euros et on est maintenant à 830 000 et des cacahuètes. Donc, et comment ça va être financé? Ok. Madame Margam et ensuite Monsieur Senel reprendra la parole. Écoutez, Monsieur le Bourgmestre, je ne voudrais pas que cette soirée ne soit pas émaillée d'humour de tous les côtés. Et donc, ne vous inquiétez pas, ce que vous avez expliqué tout à l'heure avec M. Cruc prouve à suffisance que personne n'est tout à fait mauvais. Et donc, nous soutenons évidemment les bonnes politiques préparées par M. Cruc et attribuées par M. Dolimont. Ça va, très bien. Mais effectivement, vous pouvez aussi féliciter M. Dolimont, mais je l'ai déjà fait à titre personnel. C'est très bien. Oui, donc excusez-moi, Madame Martin, mais j'avais omis une partie de la réponse par rapport à votre budget, au budget. Donc effectivement, dans le budget, de mémoire, on avait mis 300 000 euros, parce qu'au moment où on a eu l'appel à projet, on a répondu à tout, et on a estimé qu'on aurait peut-être un tiers, voire la moitié. Et donc c'est pour ça que ça vient aujourd'hui au Conseil communal, hein, puisque c'est une acceptation de dépenses, hein, L1305 hein, techniquement, parce que c'est pas inscrit, la totalité du montant n'est pas inscrite au budget extraordinaire. Parce qu'au moment où on a fait le budget, on ne savait pas ce qui allait être retenu ou pas. Mmh. On a le montant définitif, on vient avec ces montants-là, ce sera régularisé en MB, hein, donc ce sera inscrit dans la prochaine modification budgétaire. C'est subsidié à 70%, donc c'est 30% à charge de la ville. Et comme ce sont des plans qui sont subventionnés, ça ne rentre pas dans la balise. Il faut bien entendu les financer, mais ça ne rentre pas dans la balise. Ce supplément, ces 500 000 euros de budget supplémentaire seront
aussi subsidiaire 70%. Tout est, donc les six projets sont subsidiés. Oui, voilà. Merci. Je vous en prie. On va passer au vote. Ça ne vous gêne pas si on regroupe les trois votes, c'est la même chose. Hein. Madame Martin. Oui. Oui. Benjamin. Madame Margam. On est contre. Contre. Oui. Les autres ont bien dit. Ah non, non, on est pour. Je mélangeais avec le précédent dossier. Dès que je vous vois, je pense que je dois être contre. Donc c'est ça le problème. Unanimité. Unanimité, je vois que quand on s'y met à deux, ça va beaucoup les mieux. Les trois, c'est unanimité. Avine Béclé, rue... Du moment que je ne suis pas tout contre, ça va. Hein. Au rejet et petit chemin, nouvelle délimitation, approbation, pas de problème. Simon et Mme Martin ensuite. Simon. Brièvement, bonsoir. Nous sommes satisfaits donc que notre remarque via une question écrite pour relier les craintes des citoyens à cet endroit ait été entendue. Et nous saluons également la réflexion en cours au sein du collège pour la renumérotation cohérente de la rue à cet endroit. Merci, c'est pas toujours facile ce genre de dossier, je peux te garantir. Madame Martin. Oui, nous, on se pose la question de savoir si les habitants de cette rue devront faire des changements d'adresse et si ça comportera des frais, si ça entraînera des frais pour eux. Les frais, il n'y a aucun... C'est juste qu'il faut venir avec sa carte. Oh, oui. Non, non, je t'en prie. Non, mais c'est ton conseil. Donc, effectivement, les habitants doivent venir à l'administration parce qu'on doit changer l'adresse sur la puce de la carte d'identité, mais il n'y a pas de frais par rapport à ça. D'accord, mais il n'y a pas. Enfin, ils vont quand même devoir avoir toute une série de démarches à faire, non? Il y a quelques démarches. Non, ça sera fait automatiquement. Je rentre ma carte dans la voilà. Machine et voilà. C'est fait. Oui, donc il faut venir à l'administration avec son code et sa carte et c'est fait. Mais on leur écrit, on écrit à tous les habitants en fait. Hein. Donc si individuellement, on écrit à chaque personne, on lui indique quelle était sa numérotation, quelle est la nouvelle numérotation, on les invite à venir à l'administration communale avec leur carte d'identité et leur code PIN et on change simplement dans la puce. Parfait. Voilà. Merci. Jean-Michel. Oui, on imagine évidemment que Bipost est informé de ce genre de changement. Oui, ouais, tout est fait. On n'a pas l'air sûr. J'en suis sûr. Ah, non, c'est pas certain, on dirait. Une demande sur Bipost, etc., est systématiquement informé. C'est tellement évident que je pose la question. Il y a Guillaume qui posait une question. Guillaume pose sa question. Oui, ça va. Une petite question d'ordre administratif. S'il y a une société qui est donc immatriculée chez une personne qui habite dans cette rue, comment ça se passe? Parce qu'il faut une modification moniteur belge qui implique des coûts. Donc, je ne sais pas si les coûts peuvent être neutralisés à ce niveau-là ou si cette personne devra payer les plus de 100 euros pour la modification de son siège social. Moi, je parle évidemment des coûts à l'administration communale. Ah, c'est ça. Donc, évidemment, s'il y a des coûts inhérents... Ça, c'est inévitable. Maintenant, dans les rues qu'on cite ici, c'était des rues qui étaient vraiment très problématiques. Et je ne sais pas s'il y avait l'une ou l'autre société là, c'était peut-être très problématique pour la société qui était là aussi. Okay, et donc, évidemment, il y a, je ne sais plus comment ça s'appelle, si c'est une circulaire Bipost, mais tout se fait en concertation avec Bipost. Et c'est souvent un point d'alerte pour nous, justement. Les facteurs sont d'une grande aide par rapport à ça, dans leur tournée, etc. Et parfois, la demande vient d'eux, d'ailleurs. Oui. Unanimité, je suppose. Merci. Tourisme, rémunération des carillonneurs, révision, approbation. Pas de problème. Unanimité. Je vous remercie. Musée de folklore des imaginaires, mise en dépôt d'un flipper convention. Pas de problème. Unanimité. Je vous remercie. Musée du folklore toujours et des imaginaires pour le prêt d'une machine à vapeur miniature au centre de la mine et du chemin de fer. Approbation. Pas de problème. Unanimité. Je vous remercie. Tamat, musée du folklore et imaginaire, prolongation de prêt de différentes œuvres au Tamat, pardon, ratification, pas de problème, unanimité, je vous remercie. Musée des Beaux-Arts, prêt de la sculpture Libellipo pour l'exposition Sculptura numéro 1, pas de problème, unanimité, je vous remercie. Et nous avons un point complémentaire qui était demandé par Guillaume relatif à la mise en place d'une commission consultative communale relative à la lutte contre les causes de la mendicité et sa gestion sur le territoire de la ville de Tournai. Voilà. Merci, Monsieur le Bourgmestre. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs, membres du Collège, chers collègues, le 30 janvier dernier, je suis intervenu au Conseil communal au nom du groupe MR afin de soumettre au débat une proposition de modification au règlement général de police de la ville de Tournai relative à trois articles de ce dernier. Lors de la présentation de cette dernière, j'ai insisté pour que les différents acteurs
puissent travailler de concert sur ces différentes problématiques. La majorité du Conseil était d'avis qu'il serait utile que cette proposition, bien qu'elle ne puisse être acceptée en l'état, fasse l'objet d'une discussion ouverte, deux discussions ouvertes, en commission, afin de dégager des solutions concrètes, tant sur le volet préventif que sur un volet plus contraignant. Comme nous l'avions donc convenu lors de ce Conseil, afin d'aborder toutes les problématiques liées à la mendicité en ville, notamment les comportements répréhensibles qui troublent l'ordre public, je vous propose de créer une commission à cet effet. Elle se veut ouverte aux personnes de terrain directement concernées par la problématique. N'ayant pas eu de retour du Collège communal concernant la création de cette commission, je me permets d'en prendre l'initiative. Vous remarquerez que j'ai tenté, dans cette proposition, d'allier l'ensemble de nos points de vue, signe de mon ouverture d'esprit à ce sujet. Alors, je vous épargnerai la lecture de l'ensemble des considérants. Je vais juste en relever quelques-uns. Les autres sont bien évidemment consignés dans le dossier. Vu le Conseil communal du 30 janvier 2023 et les échanges relatifs à la création de la commission, considérant qu'il ne s'agit dès lors en aucun cas de criminaliser purement et simplement la mendicité, mais de cibler les comportements portant atteinte au vivre ensemble, considérant que l'autorité communale doit notamment assurer la propreté, la salubrité, la sûreté, la tranquillité dans ses rues, et que le comportement décrit aux articles 36-94-3, 236 bis et terre du règlement général de police de la ville de Tournai contreviennent à ces objectifs, considérant que cette commission sera un espace de dialogue et de propositions concrètes et constructives pour toutes les questions relatives à la mendicité et qu'elle n'exclurait a priori aucun champ de discussion, considérant que les grandes lignes du fonctionnement de cette commission pourraient entre autres s'articuler sur les thèmes suivants: lutter contre les causes de la mendicité, sans-abrisme, lieu d'accueil de jour et de nuit, exploitation d'êtres humains, évoquer la problématique de certains comportements liés à l'agressivité et aux assuétudes et leurs conséquences sur l'ordre public, constituer une plateforme concrète de dialogue entre la ville et les acteurs sociaux, de prévention et de sécurité, relayer les demandes des acteurs de terrain auprès du Conseil et du niveau régional, considérant qu'il est du devoir des autorités communales de garantir la cohésion sociale et le bien-être de toutes et tous sur son territoire, considérant qu'elle serait amenée à se réunir au minimum une fois tous les 2 mois et à conclure ses travaux au plus tard le 31 décembre 2023. On vous propose donc de créer une commission à la mendicité, donc une commission consultative communale. Donc au niveau des acteurs, on propose de retrouver des acteurs sociaux, donc du relais social urbain, du RSUT, des acteurs de la santé mentale, un représentant de Bras Zéro, donc d'Abri de Jour, un représentant de l'Abri de Nuit, des représentants du CPS bien évidemment. On souhaite aussi avoir un représentant de Tournai Commerce, de la zone de police du Tournaisie, du SAIS, du service juridique de la ville pour donc étudier la teneur des mesures, et alors bien évidemment les représentants des différents groupes politiques présents au sein de ce conseil. Au niveau des missions, on a pour l'instant identifié 3 missions principales, mais qui pourront bien évidemment être adaptées au fur et à mesure des discussions de la commission. Donc la première, c'est établir un plan d'action coordonné et co-construit avec les acteurs de terrain à court, moyen et long terme pour lutter contre les causes de la mendicité. La deuxième serait d'envisager, dans un souci de cohésion sociale et de respect de la dignité humaine, l'élaboration d'une proposition au Conseil de modification du règlement général de police en vue d'interdire toute forme de mendicité agressive, infantile ou liée à des réseaux d'exploitation des êtres humains, de réglementer l'exercice de la mendicité dans l'espace public. Et le dernier point qu'on souhaiterait voir abordé, c'est de faire un état des lieux, des besoins en matière de lutte contre le sans-abrisme et la mendicité à Tournai, ainsi que l'élaboration d'un cahier de doléances à remettre au gouvernement wallon. Donc on soumet ce point à la proposition donc pour créer cette commission. Les modalités pourront être discutées par le collège, bien évidemment, avant la mise en place de celle-ci. Merci beaucoup. Tu nous as envoyé ça début de semaine, et lorsque tu vois déjà ne serait-ce que la composition de ce que tu proposes, il y a déjà énormément de personnes. Et donc nous, ce qu'on va te proposer, c'est autre chose, mais à mon avis, tu devrais être d'accord avec ça, c'est de faire très vite un groupe de travail. Mais quand je dis très vite, ce serait peut-être quand même attendre le 31 mars
Pourquoi le 31 mars? On en avait discuté la fois dernière. Il y a un dénombrement qui avait été soutenu par l'UCL, qui était réalisé par le RUCT en collaboration avec la ville, le CPS, la Fondation Roi-Baudouin et toute une série d'autres institutions. Ce 31 mars devrait être normalement être présenté toute une série de résultats avec normalement peut-être des pistes de réflexion. Donc je trouve que ce serait intelligent et intéressant de partir au départ de cette réflexion-là. Dans un premier temps, de créer le groupe de travail exclusivement et uniquement politique, donc avec les membres du conseil communal, qui travaillerait sur une méthodologie. Et donc, ce que tu viens de dire là devrait être discuté, mais qu'on ait au minimum quand même un peu plus de temps de réflexion que de dire on va prendre un tel, parce que, enfin voilà, sur quelques temps. Et l'autre chose, quand tu parles de la police, effectivement, c'est important, mais je souhaiterais, et je ne veux pas non plus mettre ça ad vitam aeternam, mais que ce soit le futur commandant, non pas commandant, mais commissaire divisionnaire, qui soit autour de la table. Pour l'instant, la signature est entre les mains de la ministre de l'Intérieur. Une fois que le retour de la ministre de l'Intérieur sera là, notre divisionnaire sera effectif. Donc j'aimerais bien, au minimum, attendre le 31 mars qu'on ait cette piste de réflexion par rapport au dénombrement qui avait été fait par la Fondation Roboda, etc., etc., de programmer, après le 31 mars, une réunion, un groupe de travail où on retrouverait bien évidemment l'ensemble des familles politiques qui souhaitent venir. Je n'appellerai pas ça nécessairement commission, parce que commission, elles sont très, très schématisées, et donc il y a peut-être des personnes qui se retrouvent dans des commissions qui n'ont pas nécessairement envie d'être présents, et peut-être que d'autres souhaiteraient être là. Moi, je n'ai aucun problème par rapport à la composition, mais voilà ce que je te propose comme piste de solution. Ok, ça va, merci beaucoup. Non, ça ne doit pas être formalisé forcément sous forme d'une commission communale, un groupe de travail. Dans un premier temps, et ensuite après, on l'élargira. Hein. De toute façon, mais au niveau du groupe de travail, il serait intéressant quand même de le constituer avant le 31 mars et pour pouvoir commencer les travaux au plus vite, donc courant du mois d'avril, une fois qu'on aurait les résultats de cette étude. Je trouve aussi important d'avoir la police une fois que le divisionnaire sera en place pour éviter de multiplier les débats dans des instances différentes pour éviter que ça fasse une cacophonie. Mais voilà, merci d'avoir suivi cette proposition. En tout cas. Merci beaucoup. Léa, concernant la situation... vous souhaitez intervenir? Pardon, je vous en prie. Attendez. Oui, je voulais quand même dire que nous, on a des problèmes avec ce point, parce que malgré vos précautions verbales, ça ne nous semble pas tout à fait innocent. On voit déjà des considérants qui nous semblent dès le départ tendancieux, dans la mesure où les comportements agressifs, la consommation d'alcool sur la voie publique, les règlements sur la tenue des chiens sont valables pour tous les citoyens, tout comme la mendicité infantile où les réseaux d'exploitation disposent déjà d'un arsenal juridique. Alors, la mendicité dite agressive reste la mendicité s'il n'y a pas de trouble de l'ordre public. Une réelle agression n'est certainement pas acceptable pour le PTB, mais il serait utile de rappeler sa définition au regard de la loi pour éviter de confondre avec un sentiment d'agression. Nous ne pouvons pas tolérer d'envisager des mesures spécifiques concernant un groupe particulier. Madame Martin, vous ne pensez pas que ce genre de choses, ce serait bien de l'avoir dans le groupe de travail? C'est à ça que ça va servir. C'est déjà, alors, on a déjà les considérants qui sont très dérangeants. Non, mais justement, je n'ai pas suivi l'ensemble des considérants. J'ai dit, dès lors que c'est arrivé mardi, il faut une réflexion. Cette réflexion, nous l'aurons ensemble. Et donc, ben voilà, moi, je n'ai pas commencé à dire à Guillaume, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'on le fera lors du groupe de travail. Je vous explique qu'on est réticents et je vous explique pourquoi et vous me laissez terminer. Et donc, est-ce que ça veut dire que vous ne voulez pas participer au groupe de travail? Est-ce que vous me laissez terminer? Oui, mais je vous pose une question. Est-ce que vous voulez ou non? Je vous répondrai après. Mais je suis désolé, mais encore une fois, vous partez du sujet. Vous me laissez parler ou pas? Non. C'est encore moi qui préside ici. Nous sommes partis sur un sujet, à savoir que nous allons constituer un groupe de travail. Vous commencez la discussion philosophique du groupe de travail. Ça, je ne vais pas l'admettre. Alors, donc, on peut, dans ce que vous me dites là, ça veut dire qu'on oublie toute cette question-ci? On dit que nous allons élaborer le travail dessus lors d'un groupe de travail. Moi, je veux savoir dans quel sens on va travailler. Mais c'est ce qu'on va normalement discuter lorsqu'on va se réunir entre nous. Je ne vote pas le point s'il n'y a pas de point à voter.
Alors, j'aurais voulu quand même terminer mon intervention, si vous voulez. Ça dépend si vous continuez dans, dans la même logique, non? Donc, vous m'empêchez de m'exprimer. Je vous empêche de vous exprimer. Vous m'empêchez de dire ce que je veux dire ici au Conseil communal. Si ça n'a pas trait à ce qui a été demandé, oui. Parce que je pense que chacun a eu, vous avez déjà eu des possibilités d'expression sur le sujet, il me semble. J'ai déjà eu la possibilité Oui, c'est quelque chose qui revient. Hein. Mais oui, mais on en discutera au groupe de travail. En fait, vous ne voulez pas que je dise ce que j'en pense ici, quoi. Non. Voilà. Parce qu'effectivement, sinon, je lance la discussion et je demande aux uns et aux autres qu'est-ce qu'ils en pensent et on est parti pour 3 heures. Or, le sujet n'est pas ça. Le sujet aujourd'hui, c'est de faire un travail de méthodologie. La méthodologie acceptée suite à la demande du conseiller communal qui me demande quelque chose, je lui réponds et lui accepte. Donc, c'est quand même celui qui me le demande qui accepte le point. Je vois pas, je vais pas lancer la discussion ici. Alors, nous, la seule chose, effectivement, qu'on trouvait intéressante, c'était d'avoir cette réunion de toute une série de gens différents. Mais la réticence qu'on a, c'est les intentions. Dans les considérants et dans les missions. Mais ça n'existe pas. Les considérants, etc. À partir du moment où les considérants qui viennent d'être mis n'existent pas. OK, alors ça va. OK, nous en discuterons à ce moment-là. Léa. Voilà, après 3 mois de longue attente, enfin. Monsieur le bourgmestre, mesdames et messieurs membres du collège, mesdames et messieurs membres du conseil. Voilà maintenant plusieurs semaines qu'une section de l'école Arthur Hollot a fermé ses portes. Ensemble, aimerait connaître la situation actuelle ainsi que les perspectives envisagées à moyen et long terme pour permettre aux élèves et au corps éducatif des conditions d'apprentissage saines, sereines et pérennes. Nous souhaitons avoir la certitude que vos propositions maintiendront l'idéal d'accueil et de mixité sociale que l'école est parvenue à établir ces dernières années. Pouvez-vous nous rassurer à ce sujet ? Je vous remercie d'avance. Jean-François. Merci Léa pour ta question. Et c'est vrai qu'on a dû attendre 3 mois, mais finalement, il valait mieux parce que j'ai plus d'éléments aujourd'hui entre les mains pour pouvoir te répondre. Alors tout d'abord, merci. Merci beaucoup pour l'intérêt que tu portes au devenir de cette école. Et je pense que dans l'intervention qui va suivre, s'il y a bien un message que je souhaite faire passer, c'est bien le suivant, c'est que nous travaillons toutes et tous, ici au collège, le bourgmestre et moi-même, nous travaillons à donner un avenir à cette école sur son site actuel. En effet, parler de l'école Arthur Hollot revient à parler d'une équipe exemplaire qui, à travers un projet pédagogique de qualité, a fait ses preuves. À ce sujet, il faut quand même signaler que cette école, en un peu plus de 8 ans, a doublé sa population scolaire, ce qui, dans un phénomène de dénatalité en Fédération Wallonie-Bruxelles, est juste exceptionnel, il faut quand même le souligner. Qui plus est, cette école aussi possède une identité forte, une expertise spécifique, et est dans le devenir urbanistique de notre ville, idéalement située. Ce sont aussi des éléments que nous devons prendre en considération. Alors, dans un premier temps, le défi aura consisté à gérer une situation de crise que nous n'avons évidemment pas demandé. Dans l'urgence, nous avons réussi à offrir un cadre scolaire de qualité et permettre à nos enfants de poursuivre leur apprentissage sans aucune interruption. Tu peux me croire, honnêtement, il s'agissait là vraiment d'un véritable tour de force. Et je profite d'ailleurs de ta question et de ton intérêt pour ce sujet pour féliciter très sincèrement nos enseignants qui n'ont pas hésité à consacrer des nombreux jours durant leur congé d'ailleurs pour réussir cette transition, mais aussi le personnel communal qui a répondu présent parce qu'en 15 jours de temps, on devait déménager 5 classes, on devait préparer l'arrivée d'une centaine d'élèves avec toutes les connexions qui vont avec, avec tout le défi logistique qui va avec, ce n'était pas partie gagnée. Alors, on a passé l'urgence là aujourd'hui, il nous revient de poser des choix stratégiques. Alors, premier choix stratégique, et il y a déjà eu un contact qui était établi par le bourgmestre, c'était déjà de maintenir le numéro phase. Alors, je ne vais pas rentrer dans les difficultés administratives ou inhérentes à la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais il faut qu'on nous donne la certitude de pouvoir garder ce numéro phase.
on est assez confiant parce que, évidemment, il s'agit d'un problème exceptionnel. Hein. Enfin, il n'y a qu'à imaginer ce qu'on a connu notamment dans la vallée de la Vesdre, sans mauvais jeu de mots, pour pouvoir visualiser et comprendre le nombre d'écoles qui ont dû aussi, à un moment donné, faire face à des défis de taille et qui ont dû postposer leur apprentissage, ou en tout cas délocaliser leur enseignement. Et donc, passé cette urgence, il nous revient de poser des choix stratégiques. Aujourd'hui, nous savons que la partie primaire nécessitera des travaux de rénovation assez conséquents. Mais, je dis bien mais, on ne parle plus de démolition par nécessité. Ces travaux doivent être chiffrés et nous prioriserons ces dossiers dans les tout prochains appels à projets et autres subsidiations. Dans un premier temps, c'est tout le réseau d'égouttage qui devra être fait. Par la suite, il nous faudra renforcer, en ayant trouvé les moyens, renforcer la stabilité du bâtiment primaire et refaire la charpente et la toiture. Aujourd'hui, le rapport d'expertise nous précise aussi que la partie maternelle ainsi que la crèche ne devront pas subir de déménagement, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce n'était pas gagné d'avance, mais là, il n'y a pas de problème. On savait évidemment qu'il n'y avait pas de danger. On avait été rassurés pour la partie crèche et la partie maternelle. Mais ici, aujourd'hui, on sait aussi qu'on ne devra pas délocaliser ces deux sections. Je vais les appeler ainsi, et c'est plutôt une excellente chose. Alors, même s'il y a encore beaucoup de conditionnels, et notamment au niveau des voies et moyens, j'insiste, voilà les axes sur lesquels nous travaillons à court, moyen et long terme. À court terme, on essaiera de réaliser les travaux d'égouttage nécessaires sur le site d'Arturolo. À cette fin, il est possible que la partie administrative ou la salle de psychomotricité doive être détruite. C'est la seule salle pour laquelle il y a, enfin, qui fait pas partie de la partie primaire, hein, qui est une annexe, qui devra probablement être détruite. En attendant, nous envisageons de maintenir nos enfants sur le site de Vaux, tout en y assurant le transport scolaire. La prochaine rentrée scolaire devra se faire sur le site de Vaux, évidemment. À moyen terme, on ambitionne évidemment de rapatrier les enfants et les enseignants sur le site principal, avec des classes mobiles provisoires et un environnement sécurisé aussi agréable que possible. Évidemment, tu l'auras compris, à plus long terme, en fonction des voies et moyens disponibles, ça sera pratiquer la rénovation et amener les aménagements nécessaires que pour transformer ce bâtiment et le rendre salubre et surtout offrir toutes les conditions de salubrité nécessaires. Alors voilà, il y a encore beaucoup d'incertitudes, il y a encore des voies et moyens à mobiliser, la partie n'est pas encore gagnée, mais en tout cas, on est déjà plus optimiste aujourd'hui qu'il y a un mois de cela, et on va essayer de tout faire pour arriver à maintenir une école et une équipe en place, parce qu'effectivement, ils ont fait preuve de beaucoup de professionnalisme dans le projet qu'ils mènent déjà depuis des années à l'école Arturolo. Léa, pour ta réplique. Oui, quand tu dis qu'à long terme, du coup, l'idée, c'est qu'ils soient tous réunis au même endroit, est-ce que tu as déjà une idée du long, long terme, de la dimension du terrain ? Je ne pose pas une deuxième question, hein. Mais ça, je ne suis pas d'accord, parce que ça, on peut t'intéresser. Ça arrive parfois qu'il y a un ping-pong. Du moment que j'ai le dernier mot, j'ai le dernier mot. Oui, mais si tu as le dernier mot, il n'est pas obligé de répondre. Oui, c'est vrai, mais c'est un peu de bonne foi, c'est pas méchant. Mais je n'ai pas dit que tu étais méchante. Non, mais j'aimerais une réponse complète. Quand tu parles de navette, du coup, est-ce qu'elle serait prolongée jusqu'à la prochaine rentrée également pour assurer... C'est pas très pompe maintenant. On ne sait pas répondre maintenant. Répondre. Non, on a des contacts avec le cabinet. J'ai eu le cabinet lundi dernier. On essaie de trouver des pistes de solutions. Jean-François vient de le dire avec le numéro fin. Si tu gardes le numéro fin, ça permettrait en tout cas de trouver des pistes de solutions. Mais tant qu'on n'a pas cette réponse à cette question-là, je ne sais pas te répondre à ta deuxième question. OK. Donc, ni les transports, ni le terme final. OK, ça va. Bon, bah alors, je vais le dernier mot. Mais bon, je te dis, on est actuellement en contact avec le cabinet, on verra. Ok, ça va. Madame Martin, relative à l'accueil des personnes sans abri à Tournai. Pardon ? Oui, vous êtes bien. Alors,
Mais vous n'avez pas plié. La parole. Ok. Alors, chers collègues, tournée ville solidaire et accueillante, ça sonne pourtant bien comme slogan. Dommage que dans la pratique, ça ne soit pas si vrai. Entre arrêter anti-mendicité de notre bourgmestre en 2017 ou celui proposé par le MR récemment, finalement, peu de différence. Avec le PS et le MR à Tournai, le slogan serait peut-être plus « cacher cette misère qu'on ne saurait voir ». Chers collègues, le 14 décembre dernier, une personne sans abri est morte à Froyenne, dans notre commune. C'était le premier mort en Belgique cet hiver, cela a créé un émoi dans la population. Le PTB Tournai a organisé une action maraude solidaire ce samedi 14 janvier, où nous avons rencontré beaucoup de personnes sans abri à Tournai, et certaines d'entre elles se sont confiées sur un sujet de difficulté, l'abri de nuit de Tournai. Les récits livrés nous ont pour le moins étonnés. Nous avons ensuite contacté un grand nombre d'acteurs et d'actrices de terrain, associations, collectifs, bénévoles, etc., pour comprendre. Les retours sont interpellants et nous interrogent sur les choix des autorités politiques de la commune et de la région. Ce qui en ressort, c'est que les conditions d'accès sont très strictes. Les heures d'arrivée, 21 heures, sont restrictives. Même si l'abri n'est pas à saturation, ne pas avoir de montre et arriver en retard vous amènera certainement à dormir dehors malgré l'hiver. L'inscription elle-même est complexe. Il faut s'inscrire via le CPAS par téléphone, donc il faut avoir l'info, le numéro, accès à un téléphone avec crédit. La possession de carte d'identité est obligatoire, alors tant pis si vous vous la faites voler. Et cela, même si vous êtes bien connu et que vous venez depuis des mois à l'abri. Être malade, veillez à prouver que vous faites bien des démarches médicales pour pouvoir dormir à l'abri. Si vous contrevenez à une de ces règles, c'est bien souvent dehors que vous dormirez. Tout cela nous a été rapporté par des personnes sans abri et de nombreux acteurs de terrain ont apporté leur confirmation. Un abri de nuit est censé avoir une politique d'accès bas seuil, c'est-à-dire avec un accès facilité pour des personnes en errance dont les fragilités sont multiples. Ce n'est manifestement pas le cas à Tournai. Plusieurs sans-abri nous ont confié de ne même plus vouloir tenter d'y entrer. Lors de la crise sanitaire, l'abri était passé à une vingtaine de places. Depuis, ce quota n'a pas été revu à la hausse, refusant apparemment des subsides hivernaux. Pourquoi ce refus d'augmenter l'accueil en cette période où les nuits glacées tuent? C'est d'ailleurs après le décès de Froyenne que l'abri a consenti à augmenter de 6 places, faisant suite à une concertation du réseau le 16 décembre. Mais quel est le sens d'une augmentation des places si les conditions d'accès demeurent si strictes pour un public n'étant pas en capacité de répondre à ces conditions? L'ensemble des institutions actives dans le sans-abrisme à Tournai est coordonné par le relais social urbain, structure dirigée à moitié politiquement par la majorité tournaisienne et à moitié par des représentants du monde associatif. Ces différents acteurs s'y rencontrent, dialoguent et s'organisent, plan grand froid ou plan grande chaleur, etc. Il est tout à fait navrant que l'abri de nuit n'y vienne jamais, apparemment, selon les acteurs du terrain. L'exemple du projet contre-productif de délocaliser l'abri aux chênes de Membré, à plus de 30 minutes à pied du centre-ville, est semble-t-il représentatif du manque de communication et de réflexion commune. Combien de personnes iront à pied jusque-là, c'est totalement incompréhensible. Les Tournaisiens sont solidaires et accueillants en étant impliqués dans des associations, des collectifs, et ce malgré cette vision anti-SDF des autorités communales. Le Tournaisien est et restera solidaire. Monsieur le bourgmestre, madame et messieurs les échevins, cette situation ne peut plus durer. Tournai doit accueillir dignement la nuit toutes les personnes à la rue. Tenant compte des réalités de terrain, l'abri doit se situer à Tournai et non à Caen. Il ne peut pas non plus maintenir des règles trop strictes afin de permettre un accès réel au public cible, ce qui n'est pas le cas actuellement.
Alors, cautionnez-vous la façon de travailler de l'abri de nuit, beaucoup trop stricte pour une structure basse seuil et en manque de concertation avec le reste du réseau. Passer une bonne nuit, nous le savons tous, a des conséquences essentielles sur notre activité pendant la journée. Nous pouvons donc faire l'hypothèse que les bénéficiaires seront dans de meilleures conditions pour comprendre leur situation, effectuer certaines démarches administratives et être moins sujets à d'éventuels débordements. Ça devrait d'ailleurs vous satisfaire, monsieur le bourgmestre, mais cela soulagerait avant tout le reste du réseau qui doit en journée gérer les conséquences des problèmes liés à un potentiel manque de sommeil. Un refuge temporaire appelé chauffoir a été mis en place par le réseau social urbain pour les personnes exclues de l'abri de nuit, car celui-ci n'a que très rarement été à saturation cet hiver. Cela montre d'abord qu'il y a un problème avec le fonctionnement de l'abri de nuit, structure pourtant agréée, puisque le réseau a dû trouver une solution pour ces personnes n'ayant pas accès à l'abri de nuit. Ensuite, alors que le chauffoir est a priori une structure moins adaptée, les bénéficiaires nous ont exprimé leur satisfaction quant à l'accueil des professionnels sur place. Les gens s'y sentent visiblement bien, respectés par des travailleurs ayant une réelle conscience de la responsabilité qui leur incombe, mettre en sécurité des personnes fragilisées. En tout cas, le chauffoir, qui pallie clairement les manquements de l'abri de nuit, semble remplir correctement cet objectif. Mais contrairement à l'abri, la solution du chauffoir n'est que partielle et provisoire. Donc, qu'adviendra-t-il des personnes qui ne sont pas accueillies à l'abri de nuit après le 31 mars ? Ne dit-on pas en avril, ne te découvre pas d'un fil. Quel dispositif prévoyez-vous en urgence lorsque les températures nocturnes redeviennent positives ? Qu'allez-vous mettre en place avec le reste du réseau qui s'épuise à compenser tous les manquements ? Tant que l'abri de nuit continuera de remplir si mal sa fonction de structure basse-seuil, il faut maintenir et surtout développer une autre structure réellement basse-seuil comme le chauffoir, pour permettre aux personnes exclues de l'abri de nuit de dormir au chaud la nuit. Car, comme vous le savez, on meurt également d'hypothermie quand il fait 5 degrés. Bien entendu, l'idée d'un chauffoir ouvert en permanence est une solution temporaire, le temps que l'abri de nuit redevienne une structure basse-seuil. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je tiens à préciser, Madame Martin, que le projet d'arrêté que j'avais défendu visait à se montrer plus sévère face à certaines personnes qui troublaient l'ordre public, plus précisément des personnes pratiquant, et ce de manière répétée, la mendicité de manière agressive, que ce soit accompagné d'un chien méchant, que ce soit en entravant l'entrée d'un commerce, que ce soit en harcelant les passants ou que ce soit en consommant de l'alcool, par exemple. Ce projet d'arrêté prévoyait qu'à la moindre récidive sur une même journée, la police puisse avoir un moyen d'agir. À l'heure actuelle, on se moque des services de police et leur motivation est mise à rude épreuve. Si cela vous convient, moi cela m'exaspère d'instituer le laxisme comme valeur. Nous ne serons jamais sur la même longueur d'onde et j'en suis fier. Je ne combats pas les comportements de personnes qui sont pauvres mais qui sont agressives. D'ailleurs, la pauvreté est souvent derrière les murs et pas nécessairement sur les trottoirs. Il faut bien faire la distinction entre des personnes qui sont pauvres et pour lesquelles nous essayons de trouver des solutions, notamment avec notre CPS, les services du SAIS, le RSUT et tous les acteurs de terrain, et celles qui, à cause de l'accoutumance à certains produits, se complaisent là où elles sont déconnectées de la réalité et adoptent des comportements violents et intimidants. Je souhaite enfin rappeler que ceux que l'on nomme personnes sans domicile fixe ne le sont quelquefois pas et peuvent bénéficier tous sans exception d'un revenu d'insertion sociale, de différentes aides matérielles ainsi que de soins de santé. Les dépendances à suétude est un réel problème pour la société elle-même, mais aussi et surtout en premier lieu pour les personnes qui en sont atteintes. S'imaginer qu'elles puissent s'en sortir seules, de par leur propre volonté, relève de l'utopie. On peut continuer à le croire, on ne fera que les enfoncer et on privilégiera ainsi l'insécurité. Cela fait des années que je milite personnellement, je n'engage pas ici le collège, pour qu'on puisse obliger, j'ai bien dit obliger, les gens à se faire soigner. Voici quelques mois, j'ai fait personnellement le tour de la rue Royale et de la place Crombet pour rencontrer les commerçants, mais aussi certains SDF. L'un d'entre eux, torse nu et alcool en main, me signala qu'il était totalement dépendant. À ma question de savoir pourquoi il n'essayait pas de se soigner, il me répondit qu'il avait été 3 jours dans un centre avant de signer une décharge pour un retour à la case départ.
On peut continuer à faire semblant, on peut continuer à se mettre la tête dans le sable, mais sans un moyen de pression efficace, on continuera à les voir s'enliser petit à petit. Mais rassurez-nous, l'honneur est sauf, les droits de l'homme sont respectés, le droit d'aller dans le mur en toute bonne conscience. Je note par ailleurs que vous organisez des actions à grands coups de communication sur le thème du sans-abrisme. Je vous propose plutôt de prendre vos responsabilités et de les mener des politiques concrètes, réelles, au sein d'un exécutif. Mais cela ne vous intéresse pas. Participer à un exécutif risquerait de mettre à mal votre virginité. À Tournai, l'abri de nuit est géré par la SBL Auxilis et est agréé par la région Wallonne. C'est la région qui les subsidie et les contrôle. Par ailleurs, le RSUT apporte également un financement et donc indirectement aussi la ville de Tournai. L'abri de nuit a fixé un ROI, c'est-à-dire un ensemble de règles qui déterminent les conditions d'accès, les conditions de maintien et d'exclusion de ce type de dispositif. Ces dispositions sont prises au regard de la sécurité et de la santé des travailleurs et des usagers, au regard du besoin de tranquillité des usagers, au regard aussi des capacités de prise en charge. Si, comme vous le dites, vous avez rencontré les personnes victimes de sans-abrisme, je m'étonne que vous ne mentionniez pas que c'est aussi à la demande des usagers que des règles sont exigées. Je sais que l'anarchie n'est pas pour vous déplaire, mais cette même anarchie que les bénéficiaires des abris de nuit demandent de combattre au risque de ne pas vouloir eux-mêmes intégrer la structure. À cet égard, vous faites état de la personne décédée en décembre 2022 dans le zoning de Froyenne. Celle-ci était suivie par l'ensemble du réseau tournaisien, infirmiers de rue, Brasero, Citadelle, etc., mais refusait toute aide extérieure et n'entendait pas intégrer un abri de nuit. Posez-vous aussi les questions de savoir pourquoi. L'abri peut donc parfois se déclarer en incapacité d'assurer l'accueil de certaines personnes, notamment des personnes qui se mettent en danger ou mettent en danger les autres. Les règles d'accès de l'abri de nuit de Tournai sont similaires à celles d'autres abris de nuit et ne sont pas contraires à la réglementation. L'abri de nuit est effectivement fixé comme procédure d'accueil, que pour une première nuitée, la personne s'inscrive auprès du CPS. Les services d'accueil de jour ou les maraudes ont notamment pour objet de renseigner les personnes sur cette procédure et de leur fournir accès à des moyens de communication et les y inscrire. La personne puisse justifier de son identité en présentant une carte ou un document de perte en demandant au CPS de les identifier. La période d'accueil est effectivement contenue entre 21 et 22 heures. Au début de la période hivernale, nous avons connu une semaine de grand froid. Il a été constaté que l'abri de nuit était saturé, ce qui n'avait jamais été le cas l'hiver passé. L'abri de nuit a dès lors augmenté sa capacité d'accueil de 20 à 26. Par ailleurs, le RSUT a proposé de financer des nuits d'hôtel pour des personnes qui, pendant cette période de grand froid, n'avaient pas accès à l'abri. Enfin, vous avez pu constater que le RSUT a ouvert un chauffoir en collaboration avec la Défense nationale pour les personnes qui ne trouvent pas de place à Auxilis quand les températures sont négatives. L'augmentation des places par Auxilis et la création du chauffoir par le RSUT permettent d'accueillir les personnes qui cherchent un abri pour la nuit durant cette période hivernale. Ces dispositifs supplémentaires demandent des efforts de la part de ces structures en termes de moyens matériels et financiers qui ne sont pas infinis. Le chauffoir sera accessible jusqu'au 31 mars et une évaluation sera faite. J'ai appris par ailleurs que l'abri de nuit de Tournai sera amené à fermer ses portes prochainement puisque la SBL a mis en vente le bâtiment qu'elle occupe actuellement à la rue de Corde. Une solution a été trouvée avec la SBL Chaîne de Membré, maison d'accueil et de vie communautaire située entre Quin et Tournai. La structure offrira le même nombre de places et sera située à 20 minutes à pied de la gare et du quartier de la gare. Le problème du sans-abrisme et donc plus largement du mal-logement doit être abordé de front. Cela passe par des politiques publiques et des initiatives privées. Le logis tournaisien, notre bras armé en termes de logement, travaille sans relâche pour mettre en location des logements abordables à destination des familles dans le besoin. Plusieurs projets de construction de logements publics sortent de terre et vont l'être prochainement. Et nous continuerons à travailler dans cette dynamique. Je signale par ailleurs que nous créons en partenariat avec le logis tournaisien des logements de transit. Une dizaine de logements est en passe d'être réalisée. Ces logements permettront à des ménages qui se retrouveront du jour au lendemain à la rue de pouvoir trouver une solution de relogement temporaire. Je vous remercie. De choses, mais moi, mon interpellation, elle porte sur l'abri de nuit. Vous m'avez répondu tous azimuts, vous avez surtout fait le procès des sans-abri, ce que je trouve quand même assez gros de votre part, parce qu'on a un peu l'impression qu'à Tournai et devant vos yeux, tous les citoyens n'ont pas les mêmes droits. Hein. Il y en a certains qui méritent qu'on s'en occupe et d'autres qui ne méritent pas.
C'est un peu ce que vous me racontez là. Alors, vous faites d'autant mieux le procès de toute une catégorie d'habitants de Tournai que vous considérez que c'est une utopie de relever les gens. Comment osez-vous tenir un discours pareil, vous qui vous prétendez comme le bourgmestre de tous les Tournaisiens? Donc, il y a des gens à Tournai qui sont sans droit et d'autres qui valent la peine qu'on s'occupe d'eux. Alors tout revient sur le tapis, hein. Il y a vraiment que la pub de Madame de Donder que j'ai pas entendue, quoi, hein. Mais la participation du PTB, le règlement de l'abri de nuit, l'anarchie dans l'abri de nuit, il faut justifier de son identité. Enfin bon, tout et n'importe quoi. Vous m'avez pas répondu. Alors le règlement de l'abri de nuit, mais on ne discute pas. Et effectivement, on a vu devant nos télés, y compris le président du Relais social urbain, qui justifie ça d'un point de vue légal. Mais le gars qui est dehors et qui n'a pas de quoi dormir et qui se gèle, ce qui l'intéresse, c'est pas de savoir si le règlement correspond au décret, c'est de savoir où il va dormir la nuit. Et ça, vous n'en tenez absolument pas compte, hein. Alors, il y a nous, le PTB, on n'est pas contre un règlement et on n'a jamais contesté la légitimité d'exclure des gens qui se comportaient de manière violente ou qui effectivement consommaient dans l'abri. Effectivement, c'est pas acceptable. Mais il y a quand même quelque chose qui nous paraît assez singulier. C'est comment se fait-il que vous ayez ce débordement et cette nécessité de soi-disant de règlement de l'abri de nuit? Alors que dans le chauffoir, il n'y a plus ces problèmes-là. À quoi attribuez-vous ça? C'est qu'il y a quand même quelque part un problème avec la structure existante. Alors le règlement est une chose, mais la façon dont on l'applique en est une autre. Donc qu'on doive montrer sa carte d'identité, ok, mais le but de ça, c'est de pouvoir identifier les personnes qui ont fait les débordements. Mais alors, comment vous expliquez qu'un gars qui a perdu sa carte d'identité, qui vient depuis longtemps à l'abri de nuit, dont tout le monde sait qui il est, on ne le laisse pas rentrer parce qu'il n'a pas sa carte d'identité? Vous dites que l'abri de nuit est à saturation. Non, il n'a pas été à saturation pendant tout l'hiver. Et les gens, et encore une fois, les problèmes que vous évoquez, on ne les retrouve pas au chauffoir. Alors qu'en principe, ce n'est pas une structure qui est adaptée pour ça. Donc c'est qu'il y a quand même un examen de conscience à faire quelque part, quoi. Alors, mais bon, c'est un peu... Oui, je voudrais aussi revenir sur le fait que quelqu'un qui ne dorme pas la nuit, je ne sais pas vous, hein, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, y compris moi. Quand je n'ai pas dormi, moi, je me transforme en gremlin, hein. Alors, vous savez comment ça se passe pour ces gens-là? Bah oui. Alors, quand ils ne sont pas abrités, comment croyez-vous qu'ils font pour ne pas mourir de froid là-dehors? Ils marchent toute la nuit avec leur bardin. Comment voulez-vous que des gens dans des conditions pareilles ne soient pas sujets à des débordements? Je voudrais bien vous voir, vous, monsieur le bourgmestre, passer une nuit dans des conditions comme ils les passent et voir comment vous êtes. On voit déjà parfois comment vous êtes dans des commissions ou ici au conseil communal, alors il ne faut pas demander si vous subissiez les mêmes conséquences qu'eux. Donc, je trouve votre réponse, comme d'habitude, complètement à côté de la plaque. Et indicatif que vous êtes plus prêt à faire le procès des gens qu'à les aider et à leur permettre d'avoir une vie un peu plus conforme à la dignité. Et aussi, ça confirme ma perception de ce que peut donner votre réunion sur le sujet. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie. J'espère que vous aviez passé une bonne nuit. Vous trouvez que c'est un sujet qui prête à rire? Non, moi, j'ai pas ri. Moi, je trouve ça stupéfiant, quoi. Comment vous osez rire de ce sujet? C'est pas le sujet. J'ai demandé si vous avez bien dormi. Je trouverais ça grave, hein. Mais vous avez des interprétations un peu particulières, mais vous relirez peut-être ma réponse, parce qu'effectivement, vous l'avez transformée un peu, mais ce n'est pas grave. Je transforme? Oui, j'ai l'habitude. D'accord. C'est l'habitude. Jean-Michel, par rapport au terrain de foot de Warcha. Si, ah, voilà. Alors, propriété de la ville,
fortement utilisé par le club de foot de Warchin, avec entre autres le célèbre tournoi de l'amitié qui, l'un et l'autre, n'existe plus. Quelle est la situation actuelle relative au terrain de foot de Warchin, son occupation, son entretien, son devenir à fort potentiel, ainsi que son annexe, cet imposant chalet en bois, également construit par la ville en son temps. Merci beaucoup. Vincent. Oui. Alors, il est exact que le terrain de football de Warchin est actuellement peu utilisé. En effet, les installations telles que les vestiaires et sanitaires ne répondent plus aux normes de sécurité. Leur utilisation est donc en l'état interdite par notre service interne de prévention et de protection. Le collège communal a d'ailleurs relancé les services techniques pour évaluer le coût d'une mise en conformité de ces locaux. Mais il faut savoir aussi que depuis 2015, le championnat de l'amitié a périclité pour finalement disparaître, puisque beaucoup de clubs qui y participaient se sont inscrits à la fédération officielle et jouent donc maintenant en provincial. Donc, faute de combattants, le championnat de l'amitié, ici en tout cas dans notre région, est terminé. Ceci étant, il arrive que le terrain de football, je dis bien uniquement le terrain, donc sans les infrastructures et les toilettes, ce terrain est encore utilisé par des associations qui organisent de façon ponctuelle des tournois, comme des petits tournois de mini-foot, notamment les oursoirs chinois qui font toujours un ou deux tournois de mini-foot, notamment en août et pour la bonne cause. Alors, le terrain est également régulièrement utilisé tous les dimanches matin de 8h à 13h par un comité qui organise des activités autour du ballon, de football. Et il est également fortement fréquenté lors des stages et ateliers de la ville et du centre de vacances qui se déroule à l'école communale de Warchin. Et enfin, il sert également de lieu de rencontre entre les riverains et pour certaines activités plus ludiques, telles que des chasses aux œufs. Donc, on ne peut pas dire que ce terrain est à l'abandon. Nos services des espaces verts, d'ailleurs, se chargent régulièrement de son entretien pour permettre ces diverses activités. Voilà en ce qui concerne le terrain. Pour ce qui est du chalet, lui, il est occupé depuis 2008 par le comité des ours warchinois, qu'il gère en bon père de famille, donc comme je l'ai dit, depuis 2008, qui effectue l'entretien, le nettoyage, les réparations en cas de dégradation et de dépravation, ce qui arrive souvent, et qu'ils font également vivre, parce que, effectivement, il a servi de buvette du club de nombreuses années, mais forcément, ce n'est plus le cas pour les raisons que j'ai évoquées juste avant. Mais ce comité continue à organiser certaines activités, comme des répétitions de danse et un championnat de fléchettes. C'est pourquoi une convention écrite est en passe d'être conclue entre la ville et les ours warchinois pour une mise à disposition officielle afin de permettre à ce comité de continuer ses activités. Voilà ce qu'on peut en dire, tant pour le terrain que pour le chalet. Voilà. Jean-Michel. Monsieur l'échevin des sports. On réplique à la réponse. Je vous remercie infiniment pour votre réponse. Merci. C'est parfait. On m'avait dit des choses et c'est pas vrai. Mais absolument pas. Non, plus sérieusement, c'est vrai qu'il y a une carte à jouer. Preuve en est le terrain de foot en face du logis tournaisien, où là, il y a eu un très beau projet mené avec pas mal de critères environnementaux, sociaux, économiques, etc. Et peut-être faire plus participer les habitants des cités proches à Warchin et mener un projet plus de réappropriation de l'espace public. Je crois qu'il y a une carte à jouer avec ce terrain de foot. Merci beaucoup. Merci Jean-Michel. Robert, concernant la politique commerciale à Tournai. Monsieur le bourgmestre, chers collègues, en ce début d'année 2023, les chiffres concernant le taux d'occupation des cellules commerciales ont récemment attiré l'attention de la presse et de nos concitoyens. Selon l'Association du management de centre-ville, on dénombre près de 20,9% de cellules vides à Tournai. Même si les effets de la crise ne sont pas à négliger, le résultat de notre ville est l'un des 10 plus mauvais de Wallonie. À l'occasion de ce bilan, Madame Légine du Commerce dressait un état des lieux du commerce à Tournai.
Elle reconnaissait l'impact positif des incitations financières à l'installation de nouveaux commerces mis en place par le ministre Willy Borsu. Tournai bénéficiera d'ailleurs de l'amplification de cette mesure dans le cadre du plan Horizon Proximité et on ne peut que s'en réjouir. Néanmoins, il est important de souligner que la création de nouveaux commerces dans nos centres-villes et plus particulièrement dans notre cité, ainsi que sa redynamisation plus globale, ne saurait dépendre uniquement et exclusivement de politiques régionales de subsides. À cet égard, il nous semble important d'aller plus loin afin de résoudre l'équation complète, bien que complexe, du commerce en zone urbaine. Tout d'abord, on constate, comme Madame Lejeune, une rotation importante de commerce. Ce constat a pour nous deux causes. D'une part, le manque de vision stratégique de notre ville quant à la structuration de son commerce et le manque d'accompagnement des porteurs de projets pour leur donner toutes les chances de pérenniser leur activité. Le manque de vision commerciale et une tendance à l'émergence de commerces tels que des magasins de nuit et jour, fast-food et autres n'auront pour conséquence, selon nous, que de maintenir à terme un taux élevé de cellules vides. Ensuite, il est absolument nécessaire de combiner cette vision stratégique avec une politique de mobilité et de stationnement, comme cela semble avoir été assimilé ailleurs. À Waterloo, par exemple, désormais devenu un pôle d'activité commerciale important, le stationnement gratuit est la règle, à l'exception de zones bien spécifiques. Un dispositif qui offre, selon la bourgmestre, un avantage non négligeable pour les habitants, les visiteurs et les commerçants. D'autres communes, expérimentant des réalités économiques et politiques différentes, changent également le fusil d'épaule. À La Louvière, dès le mois d'avril prochain, la règle sera désormais à la gratuité et le stationnement limité à 2 heures. Car, en fin de compte, la majorité PS écolée à travers son échevine du commerce semble dresser le même constat que nous depuis l'opposition. Les Tournaisiens et les visiteurs ne s'aventurent plus dans notre cœur de ville. Au niveau du MR de Tournai, ce constat, nous ne pouvons nous y résoudre. Le défi est de taille, comme l'indique Madame Lejeune, mais il se doit d'être relevé. Dès lors, face à ces constats, permettez-moi de vous adresser 2 questions. Prévoyez-vous d'accompagner les prochains appels à projets dans le cadre du plan Horizon Proximité, d'une véritable stratégie commerciale et d'un accompagnement spécifique avec des acteurs spécialisés dans le domaine tels que WAP Invest et Entreprendre WAPI, afin de s'assurer de la solidité des projets présentés et de leur pérennité. La fin du stationnement payant, pouvant éventuellement être conciliée avec des cartes riverains et des zones bleues, fait-elle partie des pistes de réflexion envisagées afin de venir en aide aux commerçants situés intramuros, à l'instar de ce qui est prévu par la majorité PS Écolo à La Louvière? Je vous remercie pour votre réponse. Caroline. Monsieur le conseiller, cher Robert, voilà une question très complète, reprenant de nombreux éléments qu'il me semble important de nuancer, voire de corriger. Je m'excuse déjà pour la longueur de ma réponse. Je répondrai sur la partie strictement commerciale et laisserai la main à Jean-François pour la partie concernant la gratuité du parking. Comme vous avez pu le voir dans la presse, la gestion centre-ville vient de finaliser son analyse commerciale pour l'année 2022. Celle-ci a d'ailleurs été présentée en début de soirée aux membres du conseil d'administration de la gestion centre-ville et j'imagine que vous aurez l'occasion d'en discuter plus en profondeur avec les différents représentants de votre groupe politique. D'abord, je me permettrai de nuancer les chiffres transmis. Si au dire de la MCV, qui, je le précise, n'a plus aucun lien avec les gestions centre-ville, le centre-ville compte 20% de cellules vides, les chiffres de la gestion centre-ville nous permettent une analyse plus fine. 15% de ces cellules se trouvent dans les rues à vocation commerciale, tandis que les autres se situent en dehors de ce périmètre. Si nous nous en tenons stricto sensu à ce pourcentage, la ville de Tournai fait un bond dans le classement évoqué pour se situer à la 12e place de l'inventaire, juste devant la ville d'Ath. Mais n'ergotons pas sur ce pourcentage. Si le taux de cellules vides est un indicateur, nous pouvons citer d'autres chiffres, comme par exemple le nombre d'emplacements commerciaux en centre-ville, qui est de 735, et c'est un chiffre très conséquent par rapport à d'autres communes de la même taille. Le nombre d'ouvertures en 2022, qui est de 46, contre 40 fermetures, soit un solde positif, ce qui est la tendance depuis 2017 dans les rues à vocation commerciale. Et un dernier chiffre, 58, c'est le nombre d'aides au loyer Créacom octroyées depuis 2018. Ce sont donc des aides communales.
Ces aides sont très appréciées, mais elles s'inscrivent bien sûr dans une stratégie plus globale menée par la ville et la gestion centre-ville. Ainsi, depuis le début de la mandature, le Collège a défini un linéaire commercial. Nous avons déjà eu l'occasion d'échanger sur ce sujet, ici ou à travers la gestion centre-ville. L'objectif du linéaire est de concentrer les commerces dits de shopping plaisir pour favoriser la déambulation et concentrer le flux de chalands. De nombreux échanges ont lieu depuis le début de la mandature avec les propriétaires et les agences immobilières pour expliquer cette démarche. Et depuis 2019, les différentes aides mises en place par la gestion centre-ville sont concentrées sur ce périmètre, qui compte encore près de 5 km, donc qui est encore très important, dans un souci de concentrer les moyens et de créer des centralités. C'est d'ailleurs ce que nous a demandé le cabinet Borsu lors de l'introduction de notre dossier de candidature pour le plan Objectif Proximité, pour lequel la ville de Tournai vient d'être sélectionnée. De quoi s'agit-il exactement ? Ce sont donc des aides à l'investissement, soit pour un nouveau commerce, soit pour un commerce existant qui souhaite se réinventer. Bien sûr, je ne peux que me réjouir de la possibilité pour les commerçants de pouvoir bénéficier de ces nouvelles aides financées par la région. Celles-ci pourront d'ailleurs être couplées aux aides au loyer de la gestion centre-ville dans le cadre de nouvelles ouvertures. L'objectif poursuivi est toujours de dynamiser le commerce et de proposer ainsi une offre commerciale plus importante et plus attractive. Il est important de rappeler malgré tout que ce sont des aides coup de pouce. L'ouverture d'un commerce ne peut dépendre du recours à celle-ci. En effet, cela voudrait dire que l'activité économique n'est pas pérenne une fois que les aides n'existent plus. À titre d'exemple, l'expérience nous montre que pour les 40 ouvertures de commerce en centre-ville cette année, un quart seulement ont fait appel à l'aide au loyer. Vous me posez la question de la sélection des projets et de l'accompagnement des personnes introduisant un dossier. La constitution du comité pour la sélection des dossiers Objectif Proximité sera le même que pour celle des dossiers Créacom. Je rappellerai ici que ce comité est constitué de plusieurs professionnels de l'accompagnement à la création d'entreprises. On y retrouve des représentants d'Entreprendre.wapi, de l'UCM, d'Azimut, un représentant de l'IFAPME et également un comptable indépendant. C'était donc déjà le cas jusqu'ici et cela continuera dans le futur. Précisons que ce soit pour les dossiers Créacom ou Objectif Proximité, un accompagnement par un organisme d'accompagnement est fortement recommandé. Lors des différents jurys, les dossiers sont examinés tant sur la qualité du projet proposé que sur la viabilité financière. Il est très important pour la ville et la gestion centre-ville de soutenir des projets pérennes, d'une part d'un point de vue individuel, nous ne voulons pas aider quelqu'un à se casser la figure, et d'un point de vue collectif, la pérennité d'un commerce est importante pour l'image du commerce en centre-ville. Cela étant, la tendance est aujourd'hui à une plus grande rotation des commerces, pour plusieurs raisons. Parce que les commerçants, comme beaucoup de gens, ont aujourd'hui plusieurs métiers durant leur vie professionnelle. Ils concrétisent une envie, un rêve, en ouvrant un commerce durant quelques années. Mais aussi parce que les modes évoluent beaucoup plus vite. Une plus grande rotation des commerces est devenue une nouvelle norme à laquelle il faut s'habituer. On peut l'observer partout sur notre entité, aussi bien en centre-ville que sur le zoning de Froyenne ou dans le centre commercial des Bastions. Cela n'est pas dû à un manque d'accompagnement, je ne peux pas être d'accord sur ce point. Sur ce sujet, force est de constater que l'accompagnement proposé aux nouveaux indépendants est bien structuré sur notre territoire. Précisons également que, contrairement aux aides précédentes, qu'elles soient communales ou régionales, l'aide Objectif Proximité et son règlement n'imposent plus un remboursement de l'aide perçue en cas de fermeture des commerces dans un court terme. La région a eu la volonté d'inclure cette nouvelle tendance dans cette réglementation. Concernant l'augmentation du nombre de commerces de jour, encore une fois, cette information est erronée. Il y a actuellement 22 commerces de nuit et magasins de jour en centre-ville. C'est encore trop, mais depuis quelques années, la tendance est inversée. Ainsi, depuis 2018, 5 commerces de jour ont fermé, grâce notamment à l'énorme travail réalisé conjointement par les services d'urbanisme, la zone de secours, les services de la TVA et des douanes. Il est visible quand on se promène en centre-ville, et je sais que vous le faites régulièrement, ce travail continue et porte ses fruits, et à ce jour, 3 commerces de jour sont sous scellés. Enfin, je nuancerai également le constat concernant la fréquentation de notre centre-ville. Le centre-ville a ses habitués. Et ce sur quoi nous sommes d'accord, c'est que leur nombre n'est pas suffisant. Les boulevards constituent une sorte de barrière psychologique qu'il faut réussir à faire franchir, aussi bien aux Tournaisiens qu'à d'autres visiteurs. C'est là notre véritable challenge. C'est pourquoi, avec la gestion centre-ville, nous multiplions les actions d'animation et marketing, que ce soit les capsules vidéo en partenariat avec Charlottenville, les brochures, destination shopping, destination commerce, les futurs totems à l'entrée des rues commerçantes, etc. L'objectif est de faire connaître nos commerces, montrer qu'il y a de beaux commerces en centre-ville et que l'offre est importante.
Très régulièrement, j'entends des personnes qui me disent qu'elles n'étaient pas venues depuis longtemps en intramuros, mais qu'elles ont découvert de nombreux commerces de qualité. C'est dans ce sens que nous multiplions et nous continuons les différentes actions. Finalement, et nous sommes d'accord également sur ce point, une politique commerciale à elle seule n'est rien. L'attractivité d'un centre-ville et donc de ses commerces dépend de nombreuses politiques, le logement, le tourisme, la propreté, la sécurité, l'aménagement des espaces publics et bien sûr la mobilité. Sur ce, je cède la parole à Jean-François pour faire le point sur la politique de stationnement. Merci Caroline, merci Robert pour ta question. Bon, on voit déjà poindre un mano à mano avec le PTB quant à la gratuité future du stationnement, mais j'ai bien peur que le PTB soit imbattable sur ce point avec la pétition en ligne pour le stationnement. Alors, gratuit évidemment. Alors, vous citez l'exemple de Waterloo et l'exemple de la Louvière par rapport à la gratuité. J'ai pris au hasard l'exemple de Waterloo. Le premier article sur lequel je tombe, c'est des riverains qui se plaignent. Waterloo, gratuité, mission impossible pour se garer devant chez soi ou à proximité de chez soi, et encore moins dans le quartier de la gare, à tel point que l'échevin de la mobilité envisage le prolongement et l'implémentation de zones bleues à Waterloo. En ce qui concerne la Louvière, alors là, c'est le phénomène du moment. Tout le monde revient vers moi en disant « La Louvière, solution miracle, gratuité, 2 heures, c'est merveilleux, signons tous, prenons l'exemple de la Louvière. » Ok, je suis le raisonnement. Mais allons un peu plus loin que cette rhétorique politique. Et imaginons un peu ce qu'est la situation à la Louvière. Parce que j'ai quand même un peu l'impression que finalement, c'est la meilleure fausse bonne idée du moment. Mais du coup, je suis assez content qu'on en parle. Alors la Louvière, c'est quoi ? La gratuité. C'est la suppression du paiement par rodateur pour généraliser le stationnement en zone bleue. Très concrètement, le stationnement serait limité partout à 2 heures, hormis pour les riverains ou les travailleurs, qui pourraient, s'ils le décidaient, rester garés au même endroit aussi longtemps que souhaité, et donc, en ce compris, devant les commerces. Sachant que certaines familles, et elles sont assez nombreuses, possèdent 2 véhicules, il faut déjà intégrer cette dimension-là. À Tournai, depuis le début de cette législature, on va vers un accroissement constant des zones bleues au détriment des zones horodateurs. Je situe le ratio 80% zone bleue, place de stationnement zone bleue, 20% zone horodateur, et on devrait diminuer ce pourcentage vraisemblablement très prochainement. Alors, si je devais faire un peu de démagogie, je pourrais donc dire, en prenant un peu la posture du PTB, en disant « la Louvière ». Non, mais vous le dites, j'ai envie de dire, en faisant un peu de démagogie, mais Tournai, finalement, 80% du stationnement est gratuit, vu qu'il s'agit de zones bleues, et vu qu'apparemment, c'est le modèle souhaité par les uns et les autres. Je continue la comparaison. La Louvière, modèle par excellence, on parle de Scancar au pluriel, avec un S, dont je subodore l'autonomisation de celle-ci, ce qui n'est pas le cas, je le rappelle, de Tournai. La Louvière, c'est aussi une augmentation de la redevance à 25 euros la journée. Vous verrez prochainement qu'on restera bien en deçà de ce montant à Tournai. La Louvière, c'est la première carte de stationnement gratuite pour les riverains, comme à Tournai, et c'est la seconde à 50 euros, bizarrement, comme à Tournai. L'abonnement travailleur à la Louvière pour stationner en zone bleue est de 240 euros. À Tournai, c'est 150 euros depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, la Louvière est organisée en 6 zones de stationnement. À Tournai, le stationnement est bien plus lisible et délimité aux 2 grandes zones que nous avons appelées rive droite et rive gauche. C'est plus lisible selon nous. Enfin, à Tournai, les zones bleues prennent bien mieux en considération la réalité du marché du travail en permettant une flexibilité des abonnements au mois, au trimestre ou au semestre. Et je crois même que c'est un service assez unique en termes de stationnement. Alors finalement, qu'est-ce qui nous distingue par rapport à la Louvière dont on fait l'éloge? Outre le fait que bientôt, ça je l'admets, ce sont des agents communaux qui contrôleront le stationnement. Bien, à Tournai, les zones payantes, largement minoritaires en regard des zones bleues, accompagnent le linéaire commercial.
Eh bien oui, ça nous l'assumons, c'est un choix et nous défendons ce choix. Là où nous avons des commerces, nous souhaitons maintenir une rotation des véhicules afin d'éviter le phénomène des voitures ventouses. Et honnêtement, ça me fait peur par rapport à l'ouvert, mais ça ne me concerne pas. De façon empirique, nous venons d'en faire la démonstration avec la rue Royale. Le temps de finaliser les travaux, le stationnement en place, aujourd'hui, suit le principe de la zone bleue. Eh bien, je vous assure, et ce n'est pas mes collègues ici présents qui me contrediront, que ce sont les commerçants eux-mêmes qui demandent à réinstaurer une meilleure rotation avec du stationnement payant ou du stationnement achat rapide, ce qui est prévu à moyen terme. Alors, en réalité, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les experts de la mobilité, une politique de stationnement reste un sujet relativement complexe, car il recouvre des enjeux qui parfois sont contradictoires. Toute la difficulté est de bien doser le choix que nous prenons et de trouver un équilibre entre les différents usages et les différentes attentes en matière d'occupation de l'espace public. Honnêtement, je vois déjà venir la campagne électorale avec des propositions tonitruantes qui, a priori, seront plaisantes à entendre, hein, j'en conviens. Mais s'il y a bien quelque chose que j'ai appris dans ma pratique ai-je finale, c'est, en tout cas, essayer de faire preuve de nuance. Et faire preuve de nuance, c'est aussi faire preuve de sagesse. Donc aujourd'hui, effectivement, nous avons plus de 80% de nos territoires qui est en zone bleue, gratuite si vous le voulez, et cette augmentation de territoire va en augmentant, et le stationnement payant, avec la demi-heure gratuite, qui, je le rappelle, est quand même une avancée conséquente, le stationnement payant est uniquement limité au linéaire commercial. C'est ça, notre philosophie. Merci. Voilà, le sage Jean-François a parlé. Oui, j'ai essayé de suivre. Merci pour vos réponses, en tout cas. Je ne vais pas polémiquer sur le nombre de cellules, le pourcentage ou quoi que ce soit, mais je crois que le constat, en tout cas, c'est qu'il y a une très grosse concentration des cellules vides, particulièrement dans le cœur de ville, autour de la cathédrale, rue des Chapeliers, piétonniers, etc. Et c'est ça qui est fort marquant et fort interpellant dans le centre-ville. Alors quand vous êtes commerçant ou quand vous exploitez un établissement au centre-ville, que vous avez un visiteur qui arrive et qui vous dit « Tiens, on vient d'arriver, on a déambulé, on voudrait faire un tour, vous pourriez nous indiquer quelles sont les rues commerciales ?» Ben, souvent, l'exploitant, il est confronté à un petit problème. Il dit « Ah, je vais quand même pas l'envoyer au bastion, je peux quand même pas faire ça. Bon, alors il dit ben, « Il y a la rue des Moreaux, il y a la rue de l'Isère. Ah, mais on a déjà été, mais on aimerait bien savoir où est le centre commercial. » Voilà. Donc, c'est interpellant. Hein. Alors, je voulais en venir, finalement. Tout ça, pour moi, c'est une question d'aménagement du territoire qu'on a lancé il y a de ça quelques temps. Hein. Alors, quand on a affaire à une rue commerçante, ben, si la rue était commerçante et si le commerce fonctionnait, c'est parce que la rue, elle était comme elle était. C'est que le commerce se faisait naturellement. Et quand on modifie la rue par des aménagements urbains, ben, on modifie la mobilité, on modifie sa capacité de parking, on modifie le sens de circulation, etc. Et en modifiant tout ça, ben, il y a dysfonctionnement au niveau du commerce qui se fait, et du jour, enfin, ça se passe pas du jour au lendemain, mais les conditions qui existaient pour que cette rue soit commerçante, eh ben, elle n'a plus ce caractère qui convenait aux commerçants. Et à Tournai, le plus bel exemple, ben, c'est notamment la rue des Chapeliers, le vieux marché aux poteries. C'était, il y a de ça, il y a encore 15-20 ans, ça s'est déclaré avant les années 2000, c'était les rues les plus commerciales de la ville. Et on a modifié l'aménagement en piétonnisant, en supprimant le parking, en mettant le parking payant, en modifiant la mobilité, etc. Ce qui fait que les habitudes des usagers, les riverains aussi qui ont disparu, tout ça a été modifié et il y a une désertification qui s'est faite. C'est là la réelle cause. C'est un petit peu si vous mettez un barrage dans une vallée, vous modifiez
le biotope, la vie de tous les jours, pas le quotidien, mais la diversité écologique de la vallée, parce que vous avez mis un barrage, vous avez modifié les conditions qui permettent à cette vallée, à cette rue commerçante, de fonctionner normalement. Vous modifiez les caractères. Alors, bon, on en arrive tout doucement à la rue Royale. Au niveau de la rue Royale, moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai participé à la genèse du dossier. Je me souviens des grandes déclarations où on disait la rue Royale, rue typique du commerce du quotidien. S'il y a 100 places de parking aujourd'hui avant les travaux, il y aura 100 places de parking demain après les travaux. Vous ne perdrez pas une seule place de parking. C'est ce qui a été dit et répété aux riverains et aux commerçants. Ben, je crois que le constat est quelque peu différent. Je n'ai pas été m'amuser à les compter. Hein. Ben, des places de parking, on en a perdu. Si on n'en a pas perdu beaucoup dans la rue, il y a ce que j'appelle les dégâts collatéraux. Donc, de nouveau, ça va être problématique. En plus de ça, on a mis à sens unique tout un tronçon. Ben, il va y avoir un no man's land qui va se créer et qui va être très problématique pour le commerce à l'avenir. J'ai encore été interpellé ce matin par un commerçant qui avait, avant, quand il s'est installé, il y avait des places de parking, voilà, en face de chez lui, qui permettaient à son commerce de fonctionner tout à fait normalement. Bon, on lui avait promis, il était prévu en tout cas, de maintenir des places. Bon, mais de toute façon, je veux dire, même si vous n'êtes pas d'accord, je veux dire, il y a quand même une réalité économique qui est là, il y a des commerces qui sont dans la rue, il y a des riverains, etc. Pourquoi modifier quelque chose qui fonctionne? Ça, je n'arriverai jamais à comprendre. Enfin, bref, donc on supprime les places. Ben, on met des obstacles parce qu'il y a encore des gens qui se risquent de temps en temps à se garer. Donc forcément, il y a une perte commerciale. Mais qu'est-ce qui va arriver? Après, demain, on va se dire, mais pourquoi? Pourquoi ce commerçant est-il parti? Mais enfin, on ne comprend pas. Pourtant, il y a des aides, on a tout fait pour lui, et il s'en va. Et on a même refait la rue. Hein, mais enfin, mais je ne comprends pas. Enfin, bref, donc on supprime ces places de parking. Chiffre d'affaires en baisse. Il y a des camions de livraison qui arrivent. On empêche les livraisons en disant qu'il fallait vous mettre un petit peu plus loin. Il y a 3 palettes ou 5 palettes à décharger. Les gens, ils sont tenus par des horaires. Enfin, bref. Donc, qu'on ne vienne pas me dire qu'on fait tout pour aider le commerçant ou quoi que ce soit. Ça, moi, je ne crois pas. Enfin, bref, c'est un constat. C'est le vécu quotidien du commerçant au centre-ville. Voilà. Enfin, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vis, et c'est ce qu'on, en tout cas, c'est ce qu'on me rapporte. Ok. Voilà. Alors, donc, j'ai le stationnement aussi. Non, je t'en prie. Voilà. Alors, donc, moi, je voulais dire le stationnement payant est réglementé d'une façon généralisée. Bah, pour moi, rien à faire. C'est quelque chose d'handicapant pour un centre commercial. Je n'ai jamais vu un centre commercial ou un supermarché, un grand magasin, qui fait payer son parking. Je ne sais pas, on ne peut pas citer de nom, mais des grandes enseignes avec des grands parkings où on vous demande d'aller payer X euros pour aller faire vos courses dans le magasin. Ça n'existe pas, alors qu'on ne me dise pas que ça a un impact commercial ou que c'est bon pour le commerce de faire payer le parking. Ça, je ne crois pas. Et je n'ai jamais vu non plus un centre commercial qui met son parking à 300 mètres de son magasin. Hein. Donc, pour moi, ce ne sont pas des arguments qui tiennent la route. Et à force de chasser comme ça l'automobiliste qui est un client potentiel, ben, à un moment donné, cet automobiliste client potentiel, bah, il préfère aller faire ses achats sous des cieux plus cléments, et à un moment donné, bah, il ne passe plus cette barrière psychologique, comme vous dites, du boulevard. Parce que forcément, s'il traverse les boulevards, c'est pour se faire skater, comme on dit. Donc, voilà. Alors, je voulais terminer par une petite phrase latine, errare humanum est, perseverare diabolicum. Hein. Voilà. Merci. Je vais me taire.
Manu, concernant l'organisation des festivités du mois de mars, de fin d'année. Monsieur Lechevin, cher Vincent, il y a quelques semaines, le dossier des fêtes de fin d'année a alimenté le débat public au sein de notre commune. À titre personnel, et comme j'en ai l'habitude, j'ai envoyé 3 questions écrites à ce sujet. À la mi-novembre et à la mi-décembre concernant l'organisation et le choix de l'opérateur pour le marché de Noël, et début janvier pour le feu d'artifice. Dans toutes ces questions, je m'interrogeais à chaque fois quant au timing et à certaines décisions prises par le collège communal. Ce qui m'a le plus interpellé dans vos réponses, c'est le manque d'anticipation flagrante dans l'organisation de ces fêtes de fin d'année. Je n'évoquerai pas ici la méthode, qui pose également question, mais seulement le calendrier. 2 exemples concrets. On décide du choix de l'organisateur du marché de Noël seulement au début du mois de novembre et on lance un appel pour désigner un artificier début décembre. Comment voulez-vous organiser correctement des événements de cette ampleur en vous y prenant quelques semaines auparavant? Poser la question, c'est en partie y répondre, je pense. À ce sujet, pouvez-vous me dire si un bilan global et objectif a été réalisé par les services communaux ou l'ASBL Tournée Centre-Ville concernant ces festivités? Que cela soit en termes d'organisation ou d'affluence ou d'un point de vue commercial. Pour pouvoir améliorer les choses et faire vivre notre centre-ville, il me semble qu'il est toujours bon de se remettre en cause et d'ouvrir sa réflexion au plus grand nombre. C'est pourquoi j'aimerais aborder l'organisation des fêtes de fin d'année de cette année 2023. Est-ce qu'au sein de la majorité communale, une réflexion a déjà été menée à ce sujet? Quelles actions concrètes avez-vous déjà entrepris pour l'édition de cette année? Et quel budget sera prévu pour cette organisation? Merci d'avance pour vos réponses. Vincent. Monsieur le conseiller communal, cher Emmanuel, je te remercie pour ta question. Alors, l'organisation des fêtes de fin d'année 2022, dans son lancement en termes de procédure administrative, a connu en effet, et je ne l'ai jamais nié, il me semble, du retard. Pour diverses raisons, mais surtout étant donné l'indisponibilité d'une partie de l'effectif durant une période assez importante. D'habitude, le marché portant sur les festivités de fin d'année est attribué plus tôt, fin août en 2018, mi-août en 2019 et début septembre en 2021. En ce qui concerne le feu d'artifice, le collège a pris le temps qu'il fallait de mener une réflexion relative au type de feu d'artifice qu'il souhaitait accueillir lors des fêtes, à savoir à bruit contenu ou non. Une décision a été prise en novembre et le marché lancé dans la foulée. Concernant le bilan global de l'événement, une réunion s'est effectivement tenue le 20 janvier entre l'organisateur et les services afin de faire le point. De ce qui ressort de cet échange et des retours que j'ai pu avoir d'une partie de la population, dans laquelle je gravite aussi souvent, voici ce que je peux en retenir. Le marché de Noël a tourné, malheureusement, quelle que soit la formule tentée, à des endroits différents, avec des activités différentes et des succès différents, il ne fait jamais l'unanimité. Je pense que si vous demandez aux Tournaisiens ce qu'il faudrait faire pour des festivités de fin d'année et un marché de Noël réussi, chacun aurait sa réponse différente. Pour l'édition 2022, et compte tenu du fait que la Lodra était en travaux, le parti pris a été d'installer le marché de Noël au centre de notre grand place dans un chapiteau transparent. Alors, celui-ci aura au moins permis d'accueillir sans problème les visiteurs dans un espace permettant aux exposants de bénéficier d'emplacements relativement grands. Le tout est de surcroît, et ce n'est pas négligeable, à l'abri du froid et des pluies abondantes qui se sont invitées toute la période. Ce qui n'aurait certainement pas été possible avec nos traditionnels chalets extérieurs et qui, je le répète, ne fonctionnent globalement que le week-end et qui n'anire pas un chat la semaine, ce qui n'est intéressant pour personne. En outre, je dirais que même si initialement ce n'était pas prévu, la gratuité pour les stands aura permis d'accueillir des étudiants, des associations et bien entendu des commerçants exposants. Et je tiens à préciser que pour une fois, aucun de ces stands n'a été vide. Les retours des vendeurs sont globalement bons, certains exposants ayant vendu l'ensemble de leur stock. Ce que je dois reconnaître et admettre, évidemment, c'est qu'en revanche, il manquait clairement de décoration
et de féerie à l'intérieur de ce chapiteau. J'en étais également très déçu. Alors, mon rôle à moi, c'est quoi ? C'est de créer de l'animation pour amener du monde lors de festivités. Des concerts, des spectacles, des démonstrations artistiques, pour tous les publics, de tout âge et de toutes conditions. Le tout, et j'insiste, avec accès gratuit. C'est la raison pour laquelle, et à l'instar de ce qui a été créé sous ma houlette, je le rappelle quand même, depuis que je suis échevin des fêtes publiques, comme par exemple Tournée en fête, la Garden Party du 21 juillet, le Kids Festival et toutes ces festivités qui, comme d'autres, amènent des milliers de personnes à tourner, j'ai souhaité, en le stipulant dans le cahier de charge, créer de l'animation autour de ce chapiteau. Alors, j'ai voulu innover, tenter quelque chose de différent, et on peut quand même dire que les spectacles, concerts, animations, aux styles variés, ont répondu aux attentes du public, jeune et moins jeune, qui s'y est rendu pour y assister, y compris en semaine, ce qui est loin d'être le cas les autres années. D'ailleurs, j'ai eu un retour de certains cafetiers et restaurateurs, assez finalement satisfaits de la fréquentation de leur établissement, notamment en semaine, malgré un temps qui n'incitait pas aux sorties. C'est la raison pour laquelle je voudrais quand même bien vous demander à tous de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain en assénant de façon péremptoire, comme ça a été fait, que ce fut un désastre digne de Waterloo. D'ailleurs, si je peux me permettre une petite parenthèse par rapport à cela, je ne vous cacherai quand même pas ma surprise et ma stupéfaction, celle qui a été la mienne lors du Conseil communal de décembre d'ailleurs, ou alors que l'inauguration avait eu lieu 3 jours avant, soit le jeudi, et bien le lundi qui suivait, donc très peu de temps après, alors que rien n'avait encore vraiment commencé, et bien, l'activité a été littéralement démolie, descendue en flammes, dénigrée, dévalorisée, ainsi et surtout que l'échevin que je suis et qui est en charge de cette activité. Alors qu'on n'avait même pas fait le bilan, je pense qu'il aurait été un petit peu plus judicieux et adéquat d'attendre ce bilan, d'ailleurs ce que tu me demandes ici. Et je répète que ce bilan, même si ça n'a pas été parfait, je le reconnais, je l'admets, mais il n'a pas été si mauvais que d'aucuns l'ont pensé, et surtout claironné à tout vent via les réseaux sociaux. Alors, je paraphraserai d'ailleurs Philippe Néricault, qui fut un grand auteur du 18e, qui a d'ailleurs écrit cette pièce en 5 actes qu'il a intitulée « Le médisant ». La critique est aisée, l'art est difficile, et surtout l'art du marché de Noël, ici à Tournai. Voilà, cette parenthèse étant faite, en ce qui concerne les chiffres d'affluence, ben, je ne suis pas vraiment en mesure de te donner des chiffres, puisque c'était open, c'était libre d'accès, c'était gratuit, il y avait des allées, des venues, il n'y avait pas d'entrée payante, on n'a pas pu comptabiliser, mais globalement, ça ne s'est pas quand même si mal passé qu'on ne peut le penser. Pour le reste, je peux te dire que, effectivement, cette année, je ne recommettrai pas la même erreur, puisque je l'ai toujours pris sur mon dos, j'ai eu ce courage-là, pas le cas de tout le monde. Mais je peux te dire qu'on a déjà anticipé les choses, et j'ai participé à une réunion, il y a quelques jours, avec notre bourgmestre et d'autres intervenants portant sur l'organisation des fêtes de fin d'année 2023. Je dois aussi dire que les collègues échevins de mon groupe politique et certains conseillers ont aussi donné quelques idées. Donc différentes pistes de travail très concrètes ont émergé et ont été validées par le collège. Un budget a également été d'ores et déjà arrêté et il sera plus important que celui de l'année dernière. Et le fait de s'y prendre tôt assez, et tu as entièrement raison, et j'en suis conscient, et je l'admets, et je fais mon mea culpa, ben, ça permettra par ailleurs aux différents services qui sont partie prenante de l'organisation de ces festivités de pouvoir déjà initier des démarches administratives et techniques, et on fera tout son possible pour que le citoyen tournaisien, et que vous tous ici présents dans cette assemblée, soit le plus satisfait possible. Rien n'est facile. On apprend de ses erreurs, si grosse erreur y a-t-il eu tant que ça. Et mon but, ce n'est pas de décevoir les citoyens. Je n'ai aucun intérêt à ça, ni vous, ni les citoyens. Donc on va tout faire pour que ça se passe au mieux. Et je pense que les idées qui ont émergé ne sont pas mauvaises et devraient satisfaire, je l'espère, la majorité, ce qui est l'important, puisque des détracteurs, quoi qu'on fasse, on en aura toujours. Je te remercie de ton attention. Alors, je suis un peu surpris par le ton de ton intervention, parce que je pense que tu ne me vises pas moi. Moi, quand j'ai
J'ai été à l'inauguration et j'ai sorti ma première question écrite datée de bien avant. C'est quand j'ai appris que l'opérateur était désigné et j'ai envoyé une question au collège pour savoir comment il avait été désigné. C'est juste là-dessus, j'avais pas, et d'ailleurs l'opérateur privé, je l'ai rencontré et je n'avais aucun grief envers lui. Donc ça, c'est un dossier à part. Ici, si j'ai bien compris, vous allez à nouveau passer par un opérateur privé pour organiser la chose. Bah, vous savez si c'est par opérateur privé ou si vous allez le faire vous-même ou via une ASBL. Bon, alors, très clairement, bon, je ne suis pas ici pour déjà dévoiler les intentions du collège. Je peux te dire qu'une... Je crois qu'un marché de Noël, organiser un marché de Noël, c'est un métier. Mmh. Et je reconnais que personne ici dans cette salle... Bon, moi, je vais surtout m'occuper. Donc, je ne t'en dis pas plus. Il y a des choses qui seront faites. On passera probablement par d'autres. Par contre, ce que nous, on peut faire au niveau de l'événementiel, c'est ce pourquoi on est taillé, c'est-à-dire créer de l'animation autour de ce qui est plutôt considéré comme étant de Noël. Voilà. Et on va évidemment mettre l'accent sur la déco aussi. Ça, c'est notre job. Manu, ta question portait sur les fêtes de fin d'année de l'année dernière. Non, sur celle de 2023. Mais, c'est, donc, c'est sur les intentions du collège. C'est ma question. Les intentions du collège. Voilà, sur les fêtes de fin d'année 2023. Ce n'est pas le récapitulatif de tout ce qui n'a pas été fait en 2022. C'est justement... Oui, mais on ne questionne pas normalement le collège sur ses intentions. Oui, mais... Alors, à chaque fois, je vais vous faire des questions écrites pour savoir pourquoi vous n'avez pas fait ça à l'époque et pourquoi vous ne faites pas ça maintenant. On est au mois de mars, c'était déjà en train de demander si on va faire appel à une ASBL privée, etc., etc. Eh bien, c'est justement ça le problème. C'est justement ça le problème. Vous mettez le doigt dessus. Je me suis renseigné pendant quelques semaines. J'ai été voyager en Wallonie-Picarde et un peu ailleurs, en France, en Belgique, en Wallonie, enfin partout. J'ai regardé des villes de situation comparable. Ici en Wallonie-Picarde et ailleurs. Et à chaque fois, on me dit, bien avant les fêtes d'été, dans certaines communes, au mois de juin, l'opérateur est déjà désigné et surtout, ils ont été prospectés pour savoir qui ils allaient mettre dans leur fameux marché de Noël. En termes de décoration, c'est la même chose. On a des sociétés ici à Tournai qui font de la décoration. Dans d'autres communes, pas si loin que ça chez nous, ils savent déjà actuellement quel type de décoration ils vont donner dans quelle ville. Et donc, ma question, elle porte bien. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas sur 2022. 2022, c'est classé et chacun a pu juger du marché Noël qui a eu lieu. C'est sur 2023. Je me veux constructif via cette question. Tu n'as pas bien entendu la réponse, parce que Vincent t'a répondu que déjà, il y avait des réunions avec moi-même d'ailleurs, pour réfléchir à ce que nous allions faire en 2023. Mais aujourd'hui, te dire qu'il y a un dossier qui est flissé de A à Z, non, bien évidemment. Mais on sait plus ou moins où on veut aller. Mais il y a encore des discussions qui doivent avoir lieu. Et ces mêmes discussions n'ont même pas encore été totalement reportées au collège. Donc, tu te doutes bien que je ne ferai pas ici l'info du jour. OK. Étant donné alors, je vais vous donner trois petits conseils. Trois mots. Dialoguer avec les commerçants et les gens qui vivent autour de ces fameux marchés de Noël. Prospecter. Et lancer un large appel public à ceux qui veulent y participer, parce que moi j'ai connu des gens qui voulaient participer au marché de Noël, et puis on leur a dit c'est 2000 euros, et puis une semaine après on leur dit c'est gratuit. Bah, ils ont été ailleurs quand ils ont su que c'était 2000 euros, puis ils ont su que c'était gratuit. Avouez que c'était un peu bancal cette histoire. Donc dialoguer, prospecter et surtout concerter un peu mieux. On a une force en ville d'avoir plein de forces vives. Au niveau culturel, au niveau artistique, au niveau, comment je veux dire, associatif. Je ne comprends pas pourquoi dans des communes, j'ai été à Hatt, j'ai été à Péruet, j'ai même été à Antoin au marché de Noël, où on retrouvait beaucoup des gens du monde associatif et culturel pour animer un genre de parade, un genre d'événement qui fédère autour du marché de Noël. À Tournai, on ne retrouve pas ça. On retrouve une chose, c'est la balade des Lumières, et je ne comprends pas pourquoi on ne saurait pas greffer autour de cette balade des Lumières, par exemple, un événement digne de ce nom en Tournai. On a, je vois les présidents des Amis de Tournai, on a des géants, on a des fanfares dans les villages, on a des groupements musicaux, pourquoi on ne saurait pas créer un événement digne de ce nom à Tournai? Il y a l'autre aspect, il y a le marché de Noël. Bon, il y a quelques années, le service communaux, et je me souviens très bien surtout du service Espace Vert, avait décoré
de façon assez, vraiment de qualité, le centre-ville. Je ne comprends pas pourquoi cette année, on n'a pas pu refaire la même chose. Je ne parle pas des décorations lumineuses, je parle des décorations physiques et des créations communales. Ça, je trouve que ça a manqué cette année, on pourrait travailler là-dessus. Et les services communaux sont tout à fait capables, en tout cas certains services, de le faire. Donc, je pense que le collège devrait déjà travailler là-dessus pour prévoir, parce que ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, il faut préparer ça en amont. Il y avait une chose aussi que j'avais notée, c'était au niveau des commerçants, c'est là un peu la même chose. Dialoguer et concerter, ça veut dire qu'il ne faut, faut pas qu'ils apprennent ça quelques mois ou quelques semaines avant. C'est bien avant. Pourquoi on ne demande pas l'avis à certains commerçants? Pourquoi on ne fait pas des tables rondes pour dire, voilà, qu'est-ce que, pour vous, qu'est-ce qui marcherait au niveau des fêtes de Noël? Et je ne parle pas que des gens de la Grand Place, parce que certains commerçants d'autres endroits de la ville, je pense à la place de Lille, je pense au quai à la place Saint-Pierre, se sentent un peu depuis quelques années, et déjà un peu avant le Covid, ça a commencé, un peu délaissés à ce niveau-là. Donc ça, je pense qu'il faudrait le faire. Et j'avais, donc les décorations, ça s'est fait. Et, je pense que tout le monde a à gagner, que ce soit, moi je critique pas, je suis souvent très objectif dans mes interventions et constructif, je suis pas là pour descendre qui que ce soit, et d'ailleurs les amis du cabaret ont à Vincent l'appeler l'échevin des fêtes critiques, et bien j'espère que l'année prochaine on pourra l'appeler juste l'échevin des fêtes publiques. Ce sera tout. Ok, sur cette conclusion, nous allons terminer le conseil communal. Le prochain conseil aura lieu le 27 mars. Je vous souhaite une excellente soirée.